Pour le café, le petit chocolat. Et moi j'ai fini, j'ai lancé, je suis pas gentil. Hein. T'étouffes pas, ça suffit, trop d'accidents là, ça suffit. Bon, le deck du jour, et ça cherche un jeu de cartes. Ce n'est pas un deck building, où il n'y a pas spécialement d'animaux, pas de commerce, pas de science-fiction. Oui, pour Remix. Mixta. Allez. La forêt mixte. Aïe aïe aïe. C'est pas des arbres. C'est quoi les tags de forêt mixte? C'est pas des arbres. Jeu de cartes, animaux, nature, collection, combinaison, gestion. Donc pas de collection, pas de combinaison, pas de gestion. C'est pas genre un Splendor. C'est un jeu de cartes. Un jeu de jetons, Splendor. Engueulé, hein. Pas longtemps, je me fais engueuler. Je ne garde pas de frais, c'est pas frais. Il n'y a pas de bluff. Pas de kissing, pas de bluff simultané. Et donc, c'est pas un deck building. C'est un deck de building dans la... Il n'y a pas de deck building dans ce North World. Ah ouais, c'est pas tout à fait le même. C'est draft, exploration, gestion de ressources, c'est une science-fiction guerre. Mais vous pouvez chercher du deck building. Genre Star Rings, ah mais on a dit pas Star Six, Hero Rings, Realms, Bean, un seul tag, un jeu de cartes. Non, je... Non, mais c'est dur. En même temps, j'ai pas regardé, j'aurais dû regarder les tags avant de tester. C'est faux, y'a pas. Y'a deck building affrontement, medieval fantastique. On peut enlever encore aussi de la liste. Et c'est pas de l'affrontement, c'est pas du deck building, pas de la gestion, pas de la collection. Oui. Par contre, les jeux de cartes, ça va beaucoup. Hein. Mm. Jeux de cartes, bon, il y a un petit 16 000, quoi. C'est pas. T'as donc un vrai thème derrière. Donc, tu n'es pas medieval fantastique, tu n'es pas science et industrie. Ni pas désert, ni Moyen-Orient. Oui, c'est pas du drap, là, comme c'est ça. Ah, du draft. Ça peut pas être mauvais. Pas trop le. Qu'est-ce que ça dit? Non, mais ça, c'est du draft. Pour moi. Des fois, il n'a pas les mêmes placements que moi. Du draft, en recherche, j'ai son nom, révolution, l'esprit, l'industrie. Ouais, faut que non. Oh non. Autre chose. Genre, skate les gens, du coup. Il y a plein de temps. Tu m'as dit que c'était pas vrai. Également. En jeu de chiffres, il y a trio. Jeu de cartes, sport, prise de risque sur Skate Legend. J'ai testé mon Skate Legend. Le pro de Rumble. T'as vu, on est en live. Oh, fais pas du sport. Peut-être Trio. Trio, c'est un jeu de cartes avec le thème Shift Mexique. Collection mémoire observation. Ah, collection, il y a pas, je crois qu'il y a pas. Mais bon, il y a pas mémoire observation, chiffre. Mais si, quand même, Trio. Ah, pardon.
Je suis un peu comme ça. Mort de rire, ce tac. Ah ouais, non, là, tu. Ça m'a fait un peu direct. Mais non, t'étais. Je Et où il connaît pas? suis 2032, 2023. où? T'es où? T'es où tout court? Bah, est-ce que vous ne connaissez pas? T'es pas tout court. Ah. C'est dommage, c'était la réponse. Ouais, ça fait vraiment de pire que je ne pas. La peine de... J'ai pas de librairie. Je me saurais. Je sors pas de boîte là. Mmh, ça. Oui, in the box. Ah, mais dit that's in the box. Gestion de l'ampli, est-ce que c'est. Ouais, gestion. Je vais essayer, hein. On est plus à fin. Cat in the box. Mais ils mettent pas des trucs nouveaux. Ils mettent que des trucs que tu connais pas. Oui, Ah c'est un ouais. jeu de cartes. Hein. J'ai un jeu de cartes. Alors ça va, si tu le prends. À quoi on pense pas en jeu de cartes? Les amis, j'ai fait primer. C'est pas un affrontement. Mindbug, c'est quoi? C'est un deck building, Mindbug? Genre Mindbug. Je réponds pas à une question autre, le fruit n'est pas mal. On va y aller en fonctionnant pour les enfants malades. Oh, c'est trop bien, on va y aller. Donc ce matin, je prenais des nouvelles de ta famille. Mais en fait, tu n'étais pas là. Parce qu'on t'a parlé, ah oui, c'est vrai qu'on t'a parlé. Tu peux te refaire le live aussi. Mais le pire, c'est que tu avais l'air de répondre. J'étais persuadé que tu nous entendais. Moi aussi. T'es vraiment persuadé que tu nous entendais. Animaux fantastiques, humour, affrontement, bluff, duo, c'est ton humour. Pas mon bluff. Et du coup, je te demandais si ça allait mieux ce matin. Chez toi, mais apparemment, bon, lentement. Apparemment, pour. En tant que ça. Un jeu de cartes. C'est vraiment. Bon. Ah, mais c'est vrai qu'il y a des trucs sur le violet, ça veut dire quoi, déjà? Et c'est in. Il y a le nom, il y a mon in dans le. Dans le. Ah, le type. Ah. Ah, in. Qu'est-ce qui sort en in? Ah, ben voilà, in dream. In dreams. Un jeu de cartes, non? In dreams. Jeu de cartes onirique narration. Allez, bim, c'est in dreams. Allez. Le vol. Et peut-être. On ne connaît pas. Vas-y, in dreams. Raté. Eh bien, in et dream si vous voulez pas. C'est génial tout ça, nettoyer. C'est vrai qu'en tout cas, ma fille est dure. Début à 4h15 de façon dans les lits et à 6h30 de bonne réécrire en cette nuit. Et bon appétit. On a mangé, tu peux y aller faire un petit blasta. On a eu ses enfants aussi. Mais non. Peut-être que ça pourrait être Asteros. Un j'espère Asteros. Animaux, post-apo, singe. C'est vrai qu'il y a in. Des... Non, After Us. Non, mais de toute façon, c'est un deck building, donc ça marche pas. In a grove. In the world, Jack. Et là, j'ai gone back. No more, no more, no more, no more. No, you go back no more. C'est quoi, hein? Ils sont très contents. Ça va pas mieux, toi. L'extrémiste. Quand je tape in jeu, ça me propose rien. In jeu. C'est pas tricher. Ah mais genre, c'est in tout seul comme mot. In the earth of darkness. Jeu de cartes, jeu de lettres, lettres et adresse in extremis. In extremis, non. Bim! J'ai trouvé. Ah. Oh. Ah, on n'y pensait pas à ce. À cette petite astuce. Mais à la petite astuce là. C'est Megaman, je crois, non, qui nous a dit ça. On sait quoi qui nous y a fait penser. En tout cas, j'ai ça fait. Nous permet d'avoir un score plus que correct. On a un seul indice, 8 tentatives. Mais. Mais où C'est quoi du coup ce jeu? C'est un jeu de rapidité. Avec des lettres. Vous le pitch? Ah non, là. Ceci est un jeu de mots avec une torsion. Les joueurs reçoivent tous une lettre qui commence le mot. Ensuite, les autres lettres sont affichées dans des couleurs différentes. Les lettres vertes peuvent être prises dans un mot alors que les lettres rouges ne peuvent pas être incluses dans le mot. Si jamais une lettre apparaît à la fois en vert et en rouge, alors c'est la première personne à frapper la table qui gagne.
planche. On a ce jeu. Uniquement si vous voulez avec les règles à l'Aquitaine. C'est pas là ce jeu. Mais non, là. Oh, ne me laisse pas me lever parce que. Mais non, non, tu peux pas. Si, si, on l'a. Je te promets. Mon père me nargue, ils sont en pleine campagne d'Aventure du Rail Legacy. Ah, c'est pas sympa. C'est pas très sympa. Qu'est-ce qu'on fait? Tu veux tester The Great Split à 2? Regarde, je me suis vengé. On a parti de Sawari. A bloqué Antares. Il m'avait bloqué là, les deux, du coup. Et il y avait un mec qui était venu là, je l'ai foutu là, comme c'est ça, tout bloqué. Ah oui, donc au lieu de te déplacer, t'as utilisé ta sandstorm pour déplacer quelqu'un d'autre pour que lui se retrouve bloqué. Et les deux vont se retrouver bloqués parce que là je vais mettre le. Voilà, vous avez mis en rogne l'oubli. Aïe aïe aïe, c'est la guerre dans le désert. M'en fous, je l'aurai. Oh, oui, un jour, je l'aurai un jour. Bon, tu m'as pas répondu. Pardon, je finis mon tour. Est-ce que tu veux tester The Great Split à 2 ou est-ce qu'on part sur un Earth? Je serais peut-être. Si on doit faire un Earth, peut-être partir sur le Earth en premier ou on peut faire le Great Split comme tu veux. Earth, parce que tu me dis que tu te rappelles plus déjà. C'est pour ça que j'ai pas dit oui pour l'acheter la dernière fois. Bon, oui. Et j'ai joué qu'une fois. Est-ce que c'est maintenant qu'on va y rejouer et que ça va te plaire, on va y retourner puis on fait la promo. C'est l'époque où je travaille l'après-midi et que tu joues avec Tom. Donc, j'ai surtout fait le tuto. J'ai joué qu'une fois. Ouais, la partie 42 minutes aussi. J'ai joué avec les règles à la coutaine, mais pas les règles à l'après-midi. Donc, ça, bon, habitude. Je me mets sur cet écran. Tu aimes le sombre sur BGA. Moi je vais BGA. Je vais un petit peu l'eau. Petit portrait. Tu peux me refaire un pitch de comment on score. Un pitch du jeu. Allez. Le scoring, ça passe en bas. En bas, tu as un plateau. Il y a les cartes marron, c'est des objectifs sur lesquels on va se chamailler. Oui. Le premier va prendre 15 points, le deuxième prend 11 points si tu y arrives. Ou pas si tu n'arrives pas à faire l'objectif. Donc si la première carte, tu as le point d'interrogation, la fourmi tisserande, donc faune, carte événement ou plus dans votre pile d'événements. Donc les cartes événements, c'est des cartes noires. Vous pouvez jouer au moins 4 cartes dans ta pile d'événements. Le premier qui y arrive, bam, 15 points. Ça c'est facile, sauf que les événements sont souvent un peu négatifs. Ensuite en dessous, on a la hyène, tachetée. 3 cartes ou plus avec des capacités noires, île incluse. Donc dans ton plan de jeu, dès que tu auras mis 3 cartes qui auront une couleur de capacité noire, bam, le premier à faire ça, 15 points. La chouette, qu'est-ce qu'elle fait? 3 fleurs ou plus dont le nom comprend un animal souligné. Okay. Voilà, donc certains compromis ont dû être faits pour des questions d'équilibre afin que tous les animaux ne puissent pas être soulignés. Seuls les animaux soulignés peuvent être comptabilisés dans cet objectif. Donc, trois animaux soulignés, voilà. Avec des cartes noires et des objectifs et des événements. Ça, c'est pas possible, tu peux pas cumuler. Un événement avec un animal souligné qui. Et donc c'est... L'oiseau. C'est comme l'oiseau, sa vie d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau. La sterne. La sterne arctique. 3 fleurs ou plus dont le nom comprend un terme géographique en gras. In bold. Et ensuite, on a 2 cartes vertes qui. Donc, ça, c'est les objectifs. Le premier est ça. Ensuite, tu as une grille où il y a marqué 7 points. Si tu remplis ta. C'est-à-dire que si ton plan de jeu, tu as réussi à poser toutes les cartes, c'est-à-dire 4 par 4, donc 16 cartes, tu prends 7 points. Ok. Et enfin, il y a 2 cartes vertes qui sont des scoring de fin de partie accessibles à tous les deux. Okay. En haut, on va trouver l'Amazon Rainforest. J'espère que tu as cliqué la même, oui. Oui. Fin de partie, marquez 3 points de victoire par groupe de 4 cartes dans votre compost. Okay. Donc le compost, c'est un tas de cartes que l'on construit chez soi. On peut composter des cartes, c'est-à-dire que tu défausses des cartes de ta main ou de la pioche pour faire gonfler ton compost. À la fin de la partie, tu marques quoi qu'il arrive, un point de victoire par carte dans ton compost. Ok. Et là, en plus de ça, ben, tu vas marquer 3 points pour chaque 4 cartes. Maximum 24. Donc, 6 fois 4, 24. Beaucoup de cartes. 18 points. Maximum 24 points. Donc, 24 points, pardon. 24 points. Donc, 18 cartes. Non, par 4. Et par 6. Multiplié par 3. C'est pas possible. Maximum 24 points. Et tu gagnes 3 points pour 4 cartes. Ah oui. Donc il faut faire 6 fois ça, 6 fois 4. Mais si, c'est 24 cartes. 8 fois 8, 16, 24. 32 cartes. 32 cartes. 32 cartes. Oui. 32. Tu prends 3 points pour 4 cartes. C'est maximum 24 points. Donc il faut faire. Oui. Ah oui, il faut faire 8 fois 3. 8 fois 4, 32. Je l'ai. Oui. Je l'ai. Oui.
32. On s'en foutait en plus du nombre de cartes. Mais si, c'est important. Les Alpes. 7 points par ligne dans les cartes comptent un nombre de pions 3 sens. Donc, tu as des lignes, tu as 4 lignes au maximum. Et donc, dans chaque ligne où tu auras au moins. Les cartes. Ben, si tu, sur chaque ligne, si tu as au moins un. Le symbole. Un nombre de pions 3 sens différents. Ah ouais. Oh, c'est dur. Et c'est un tableau de combien par combien? De 4. 4 par 4. Mais c'est surtout que les pions croissance, effectivement, ils ont des chiffres. Donc ça, c'est le global, c'est le scoring global. La mort. En plus de ça, dans ta main, tu vas choisir une carte île. Un island. Une île, un écosystème et un climat. D'accord. L'écosystème, c'est aussi une carte de scoring. Personnelle. Là, elle est que pour toi. D'accord. Okay. Et la carte île te donne ton setup de départ. Le chiffre avec la petite main, c'est le nombre de cartes que tu vas piocher dès le début. Le chiffre avec la main recyclée, c'est le nombre de cartes que tu vas mettre dans ton compost dès le début. Et le petit tas, c'est le nombre de graines qui est la monnaie du jeu qui te permet de poser les cartes. D'accord. Ça, c'est le scoring. Comment on joue? À ton tour de jeu, tu choisis une couleur d'action. D'accord. Soit vert, soit rouge, soit bleu clair, soit jaune. Ça correspond à un type d'action. Celui qui choisit a une action améliorée par rapport aux autres joueurs. Donc la première, la verte foncée, c'est ce qui s'appelle la plantation, c'est le fait de pouvoir jouer des cartes de ta main pour les mettre dans ton plan de jeu. Ouais. D'accord. Tu payes le coût en graines et tu la poses dans ton plan de jeu. Donc par exemple, en plantation, le joueur actif va pouvoir jouer deux cartes, va piocher quatre cartes et en garder une. Alors que les autres vont pouvoir soit planter une carte et piocher une carte. C'est tout. Rouge. C'est l'action de compostage. Le joueur actif va gagner 5 jetons sol, c'est pas des graines, pardon, j'appelle ça des jetons sol, pour pouvoir payer. Et va pouvoir composter 2 cartes, mais de la pioche, pas de sa main. Tu prends les 2 premières cartes de la pioche, bam, tu les mets dans ton compost. Alors que les autres joueurs, eux, vont soit gagner 2 jetons sol, soit composter 2 cartes. Ils ont un jeton. En bleu clair. Ouais, parce qu'on est un peu bleu, mais... Ça va disparaître, merci. Arrosement. Le fameux arrosement, le mot qui n'existe pas. Donc tu gagnes 6 germes dans les cubes que tu peux mettre sur tes cartes. Pas les pions de croissance, c'est les cubes. Vous avez commencé? Oui, on vient de commencer. Non, on n'a pas commencé. On a lancé le jeu. Pourquoi tu voulais jouer? Je peux relancer une partie hier pour ce que je joue avec toi. On est en train de faire l'explication de règles, juste. Un rappel parce qu'il est censé avoir joué quand même. Oui, mais bon. Donc en bleu clair, l'arrosement, tu gagnes des germes. Mmh. Donc, ce sont des cubes que tu peux placer sur tes cartes. Et 2 jetons sol. Les autres vont choisir entre 2 germes ou 2 jetons sol. Ah oui, et aussi le symbole au milieu, c'est on active les cartes sur ce symbole-là. Tu l'as dit? Non, j'allais y venir après. Ah, dernière action, la croissance en jaune. Donc le joueur actif pioche 4 cartes et gagne 2 pions de croissance. Ça, c'est les pions que tu vas empiler sur le même emplacement de la carte. Okay. Et quand tu arrives au bout de la pile, tu mets une petite canopée. Donc, bizarrement, le champignon. Et les autres joueurs ont autre chose. À chaque phase, tu vas activer les couleurs données. Donc la première phase, tu vas activer que le vert. En rouge, tu vas activer rouge et multicolore. En bleu, bleu, multicolore. La multicolore, c'est elles ont fait ce qu'elles ont besoin. Ouais, elles ont les 3 bandes là. D'accord. Et quand tu actives les capacités qu'il y a sur ton plateau et chez toi. Quoi. Tu peux choisir l'ordre dans lequel ça s'active. Donc je vais réitérer ma question, Arcon, est-ce que tu veux jouer auquel cas on arrête cette partie et on relance avec toi? On peut l'abandonner. On n'a pas commencé. Dis-nous. Ça va, c'est clair. Moi je me rappelle bien. Tu te rappelles bien, mais moi... J'ai joué il y a longtemps. Après il y a énormément de combos, faut lire les cartes, scoring partout, etc. etc. Dans la réponse du petit Arcon. Pour jouer, mais je fais ma vaisselle. Ah. Mais on va quand même abandonner et relancer. Comment on fait? Abandonner collectivement. Alors hier soir, je voulais jouer à Setup, un jeu que j'aime bien. Mais bizarrement, le mec, je lui ai mis, en 2 tours, j'ai fait 10 points, les 2 premiers tours, et après là, il m'a dit « Ah non, mais c'est à toi de jouer, c'est pas à mon tour. » Je dis « Bah si, moi j'ai joué, c'est à ton tour. »« Ah bah non, on peut abandonner. » Moi. Normal quoi. C'est une table à 2, non, tu vois. Non, il faut que je refasse, que je le retrouve. Ah non, merci. Je crois
que je suis allée dans la table à quelqu'un d'autre, je sais pas. Ça m'a dit cliquer là pour rejoindre une table. Ah, je rajoute dans la partie. Hop, on va attendre que tu te connectes. N'oubliez pas, pour ceux qui sont là et qui ne le sauraient pas, point d'exclamation concours, hein, on n'oublie pas. Un super concours. Il reste plus jusqu'à samedi pour pouvoir gagner l'exemplaire de Welcome to Your Perfect Home édition. Oh, oh. Hop, vignette, voilà. Donc, et jeudi soir. Et jeudi soir. Petite soirée spéciale Age of Champagne. Age of Champagne. Avec les auteurs. Mmh. Voilà, enfin avec deux des trois auteurs, c'est ouais. Déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Oui, oubliez pas, mais laissez-moi gagner. Je crois qu'on est à une soixantaine de participants. Allez, je vais vous dire ça. Je vais vous dire combien on est exactement. Instagram. Il est là. Alors, il faudra voir parce qu'on avait annoncé le tirage au sort. Jeudi. 64 commentaires, donc il y a, je dirais, à minima 64 participants sous réserve et qu'ils ont bien fait tout ce qu'il faut, mais pour l'instant 64, ça va être une chance sur 34 de gagner. Oui, c'est vrai qu'on avait dit qu'on ferait le tirage le jeudi. Mais ça s'est bousculé, donc ce sera le mercredi sûrement le tirage. Soit on le fait le mercredi, soit on fait autrement, je sais pas. On verra. Parce que finalement, on a peut-être une émission spéciale. Mercredi prochain. Mercredi 22, je yes. crois. On avait prévu de faire le tirage en live sur la Board Game Night du jeudi 23. Donc à voir. Est-ce qu'on stream le jeudi? Voilà, c'est ça. Faut qu'on le décide. On n'a pas décidé. C'est ta partie, par contre, si tu veux rejoindre. Je crois que c'était pas moi qu'on attendait. C'est pas contre toi qu'on attend. On n'est pas encore là. Regardez si les gens avaient joué. Faites-en un pour Aventurier du Rail Legacy et j'inscris même mon chat. C'est qui Aventurier du Rail Legacy? Days of Wonder sûrement, non? Days of Wonder. Ah, on peut les contacter. Moi je pousse des portes. Tout est possible en vrai, hein. C'est le bon vouloir des éditeurs, etc. Mais on en voudrait un pour faire un concours, mais oui, il faudrait s'abonner à la chaîne YouTube pour faire monter le scoring YouTube un peu. C'est dégueulasse, c'est combien? La mienne? Non, la mienne. Regardez, vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube. Allez-y. Allez-y. Poussez. Abonnez-vous. Abonnez vos parents, vos amis, votre chat. Votre chien. On a besoin de gens. Pour qu'on atteigne 1000 abonnés sur la chaîne YouTube pour pouvoir la monétiser. Mm-hmm. Et gagner pas beaucoup de sous, mais c'est toujours mieux que zéro. Pour que dans le bandeau du site. Internet c'est Days of Wonder, il y a un lien direct vers BGA. Vers BGA, c'est normal, c'est Asmodé. Days of Wonder, c'est Asmodé. Et Asmodé, c'est BGA même. Je rappelle que Asmodé détient 25% des éditeurs français. Oui, ça je sais. Un éditeur sur 4 en France fait partie du groupe Asmodé. Et le reste fait partie de UH, de Hachette Board Games. Il y a quelques gros groupes qui prennent. J'arrive pas à trouver le Legacy sur... Comment il s'appelle? Aventurier du Rail? Legend of the West. C'est quoi le nom exact des Aventuriers du Rail Legacy? Legend of the West Legacy. J'ai bien aimé tes explications sur YouTube, c'est très clair. Ça me fait bizarre et je te trouve beaucoup plus cagé et un peu plus robotique par rapport à Twitch. Ah ouais, c'est normal. Le live c'est spontané. C'est spontané quoi. C'est vrai que quand tu tournes une vidéo, t'as forcément t'es préparé un peu sur ce que tu vas dire, t'essayes de pas oublier des trucs et c'est beaucoup moins naturel. Hein. Et en plus ça dépend des jeux, il y a des jeux où tu es plus à l'aise que d'autres. Oui, puis en plus, il faut savoir que quand il tourne les vidéos, il les tourne en un coup, donc il est vraiment obligé de penser à tout ce qu'il va dire et de rien louper et ne pas. Échouer d'explication, sinon je pense que tu refais tout. Ça t'est déjà arrivé, non? Oui, ça m'est arrivé. C'est rare, mais ça m'est arrivé une fois, je pense. J'aime pas faire du montage, donc du coup, je tourne l'introduction. Voilà, vous allez tout savoir. Je tourne l'introduction, je lance le générique. Enfin, le générique, il est déjà prémonté, donc je le fais venir. Donc ça, c'est la partie facile. Et dès que j'ai fait cette partie-là, qui dure à peu près 1 minute, entre le générique plus l'introduction,
eh bien je lance le tournage de du petit disclaimer pour le abonnez-vous, etc. Plus toute l'explication du jeu qui prend entre 10 et 20 minutes en fonction de si c'est un jeu court ou un jeu long. Un gros jeu. Donc ça va être entre 9 et 20 minutes. Quoi. Et cette partie-là, c'est une seule fois. C'est-à-dire je parle pendant 9 ou 20 minutes. Donc j'essaye de ne pas oublier, de pas me perdre en chemin. Il y a peut-être des trucs où ça s'est vu. Et après, il faudrait comparer par rapport aux premières vidéos aussi. Parce qu'on s'améliore à chaque fois, donc... Faudrait que tu me dises si t'as toujours ce sentiment sur les dernières ou si c'était par rapport aux premières. Il t'a dit tout à l'heure qu'il avait regardé celle où, avec les rovers où tu ramasses les bidons et les météorites, c'est... Planet Unknown. Planet Unknown. Donc c'est okay. Récent. Ok. C'est très récent. Et après, ça dépend de... Pourquoi j'en tourne deux ou trois à la suite aussi, donc... Faut que ce soit la troisième. Pour une heure. Concentration, mon père. La concentration, c'est tiole. Mais c'est bien d'avoir des retours comme ça. Oui. Ça permet d'essayer de s'améliorer. J'arrive. Cool. On n'est pas non plus à 3 secondes près. Juste vu celle de Planet Unknown, Evie, pour le moment, je regarderai une loin pour voir. Bah voilà, tu me diras. Ça, c'est parce que je l'ai mis sur Discord. Megamo, il fonctionne avec Discord. Oui, faut que je... C'est vrai que les autres, j'ai pas toujours fait le rappel sur le... Alors que c'est important, parce que... Faut qu'on le répète à chaque fois, tous les youtubeurs le disent, mais le petit pouce et le commentaire font que votre vidéo, elle est mieux proposée, mieux référencée, en fait. Attends, je vais cliquer. Faut vraiment imaginer que c'est un algorithme qui traite en fonction de certaines données, quoi. Donc... Chaque fois on rabâche, forcément mettez le pouce, abonnez-vous, activez la cloche, nanana, et encore pour moi activer la cloche, je rabâche pas avec, mais peut-être qu'il faudrait. Et c'est un algorithme, mais si t'es pas dedans, et bien, tes vidéos ne sont pas montrées aux gens, peu importe qu'elles soient bonnes ou pas bonnes. Ça c'est assez dur hein, d'ailleurs, sur le métier. T'es good! Je m'étouffe. Allez, petit Hearth! Pour rappeler à Oubli à combien ce jeu était trop bien et qu'on aurait pu avoir gratuit à Cultura. Gratuit pour tellement! 3 jeux à 50€ achetés, le 3ème à 50€ est offert! Forcer Hardcore niveau 18! En plus, il était sur le vocal de Discord. Ah ouais, on avait pas compris. En plus, on peut vraiment t'apparler à tu. Ah ouais, si tu veux un jour qu'on discute, tu remets le replay, c'est bon. Renard Arctique, qu'est-ce que ça dit? Alors, 8 cartes ou plus avec un habitat de froid. Froid, c'est facile. Il n'a pas d'oreille. C'est les arbres très fous. 15 cartes, donc le ver de terre, 15 cartes ou plus dans votre compost. Regarde, tu peux faire flèche sur le côté. Comme ça. Je croyais que tu savais pas jouer. Ah, tu comptes me couper là pour. Mais oui, effectivement, la flèche c'est pratique. Le caméléon panthère, 5 cartes ou plus, chacune avec deux capacités différentes. Et ah tu vois, non là j'ai pas le nom. J'ai que la ligne du haut, il est nul ton conseil. C'était un article qu'on a vu tout à l'heure, 3 fois ou plus dont le nom comprend un nom géographique en gras. Après, il est vert, tu ne m'as pas lu. 2 points par flore avec un germe dans chaque emplacement. Ta carte elle soit full avec les cubes, ok. Et les Alpes aussi. Oh, et c'était mieux la partie d'avant, c'était plus simple. 7 points de victoire par ligne dans les 4 cartes ont un nombre de pions croissants différents. Alors attends, 2 points par floor avec un germe dans chaque emplacement. Et des floors avec des noms en grappe, ça fera combo. Avec des floors dans la neige. Avec des habiletés différentes. Des habitats. On parle pas très bien. Des habiletés. Avec deux différents habilités. Capacité. Encore. Habilité, capacité. C'est pas entendu ça. Ok. Donc là, il faut que je choisisse en fait. Oui, c'est vraiment tout horrible. Et ça, c'est des cartes que je vais jouer, genre le climat. Elles vont se mettre dans ton plateau. Elles vont se mettre là, ici tu vas voir le climat, ton île et ton... Et ça compte déjà pour mes symboles... Oui.
Et toi, le fin, c'est marqué, il est inclus. Dur de suivre, je sais pas si c'est que moi, musique du live aussi forte, plus forte que vos voix. Ah, mais il faut le dire, oui, j'ai pas baissé la musique. Oh, le nul. Ah, bah oui, le nul, voilà, il faut le dire, d'habitude c'est plus bas. Merci, Megamo. Voilà, baignez-vous, on vous le dit. Alors. Ça va être mieux là. En général, on met la musique pendant le pré-stream. 2 PV par carte jaune, 2 PV par carte bleue. Salut Eddy, comment ça va? Salut Eddy. Merci, bon je prends ça. Moi, allez, je prends une carte bleue. Ok, et là. On a l'île de Barène ou Santorini. J'en suis d'accord, musique trop forte. Lurk mise des enfants, ça marche, Megamo. Ça marche. J'ai baissé la musique. J'ai choisi. Ouhou. Ah, c'était moi qui bloquais. Oui. Donc là, on a notre setup de base et je dois choisir l'action principale. Donc, alors j'ai 7 sol, 3 cartes en main. 2 cartes dans le compost, c'est 0 là-dessus. Mais je vais faire ça, je pense. Tu es fort à ce jeu, Archon. Action principale. Moi, je choisis l'action déjà. Je vais cliquer sur la le musique haut. Est moins forte, mais toujours trop forte pour moi. Ah ouais. Hop. Là, normalement, ça devrait aller. Du coup de F5, j'ai l'impression que j'ai pas le bouton pour. C'est le jeu en vrai, mais j'ai pas un gros niveau. Hey. Ah voilà, j'avais pas les boutons en haut pour choisir l'action. Donc je choisis l'action rouge. Donc okay. De compost, je reçois 5 sols et je composte 2 cartes de la pioche. Et c'est quoi la pioche? Bah c'est une grosse pioche centrale, il y a 230 cartes. Ok. Les sols, c'est ce qui permettent de... De jouer les cartes. C'est beaucoup mieux la musique, merci. De rien, faut pas hésiter. Il faut 5... Combien de sols? En général, je la baisse quand je lance le stream. Là, j'ai pas avancé, on a discuté, on a fait... Publi, elle m'a distraite. Sans aujourd'hui, c'est une journée... C'est moi. À l'arrache. Ah oui, bon. Oh, vous peu... devez terminer votre phase. Pourquoi... Et que ça à faire, là? Mais toi, sur cette phase-là, tu choisis deux sols ou deux compost. Oui, ça c'est fait. C'est hyper simple le jeu après. Hein. C'est juste qu'il va falloir un tableau quoi. Je voudrais planter. C'est ce qui joue en vrai. C'est ce qui joue avec 2-3 actions en plus. Alors, des cartes avec des flocons, des cartes. Donc, qui si ont tu veux planter, capacités... ça veut dire que tu choisis l'action verte de plantation. Je regarde les objectifs. Plus de 15 cartes, donc c'est le tableau rempli en fait quasiment. Cartes ou plus dans votre compost. Ah, c'est dans le compost, mince. Ah, il faut faire des choix, c'est dur pour moi. Vous savez pas, ou peut-être vous ne connaissez pas encore assez, mais c'est très très dur. J'ai combien de compost? 6. Donc je peux poser ça et ça. Allez, on plante, c'est pas grave. Mais non, c'est pas comme grave. Si c'était ma première partie. Moi, je vais planter cette carte là. Et pourquoi les autres je peux pas? Ah, parce qu'elles sont trop chères. Bim, j'ai planté un séquoia géant. C'est la première fois que je vois une canopée à 13. C'est-à-dire qu'il va falloir que je mette 13 jetons croissance pour pouvoir aller au bout de ce séquoia. Mais il fait 8 points de victoire. Il y a des histoires de. Il y a des pouvoirs par ligne ou par colonne. Le scoring à la fin, là, il n'y avait pas des histoires. Non, c'est... C'est ça le dépend. Là, c'est juste des fois, il y a des pouvoirs qui te disent tu marques 6 points par ligne ou tu as 4 fois la même couleur, par exemple. Là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas sur cette partie. C'est 7 points dans chaque
chaque ligne où tu as 4 cartes qui ont un différent nombre de pions croissance et 2 points pour chaque floor qui ont un cube sur sur eux. Allez, ça c'est fait. Dans chaque emplacement, quoi. Donc, Vous perdez l'une des cartes piochées. Elles sont les cartes piochées. Mais j'en ai pioché 4. Et t'en gardes une sur les 4. Ah ouais, c'est violent le choix. Comme ça. Non, c'est un peu de ce qui joue, un peu de terrain. Ouais, j'ai un truc à 13, je pourrais jamais le poser ça. Et là, en plus, on va faire l'action verte des cartes. Moi, j'ai pas d'action verte, j'ai pas de carte verte. Moi. Pas mal. J'ai mis un chrono quand même. Oui, oui, non, mais c'est très bien le chrono parce que sinon, je joue pas assez vite. Ah, si, dans mon île, j'ai ça. Je peux gagner, c'est quoi des cubes verts. Let's go. Vous pouvez gagner. Vous pouvez gagner rien en activant. Ah. Deux. Par truc jaune, ben, c'est très bien. Deux gemmes pour chaque carte avec un habitat rocailleux. Ben, ne rien gagner. C'est très complet comme jeu, j'ai l'impression. Moi, je l'ai bien aimé. Dire qu'on aurait eu la chance de l'avoir en vrai. Incroyable. Tu vas l'habiter avec Arcon, hein. Il y a plein de jeux que tu as envie d'avoir. Oh, ouais, génial. Vous devez planter une carte ou renoncer à planter une carte. Arcon, il a choisi plantation aussi. Et oui. Moi, je plante. Ça va bien parce que j'ai pris de quoi planter dans la bonne ligne. Oh. Je vais planter ça du coup. Ça c'est rocailleux. Et je plante. Hein. Plantons, plantons. Alors 3 points. Alors ça fait quoi ça? Par arbre dans cette colonne. C'est une carte arbre aussi. Yes. Donc je vais mettre ça, mais il faut que je la mette sous le séquoia. Deux. Ou au-dessus, mais. Deux flores avec un cube. Un germe dans chaque emplacement. On l'a pas vu encore. Hein. Oui, la patato, elle a 6 emplacements de germes. Forcément, une patate. Oui, c'est une protote. 1, 2, 3, 4. Du coup, Eddy, t'es en pause entre le repas, c'est ça? 13h28. Tableau plus plateau. Oui, tableau plus plateau. Hop, je gagne un que je vais placer ici. Comment ça, tu en as confirmé? Deux. Je vais placer ici. Ça n'a pas marché. Oui, c'est ça. Ok. Fin de la phase pour moi. Pioche. Il faudrait que je pioche. C'est en jaune. Je vais aller en jaune pour piocher des cartes. Vous savez comment remonter les bugs sur BGA? Je pense qu'il faut que. Là, je... sur le peu. Là, le coin là. Il y a signalé un bug. Signalé un bug. Vous devez passer jusqu'à 2 croissances. Ça sert à quoi les croissances du coup? La phase. Ça sert à mettre s'il y a des cartes qui ont le même symbole, tu dois empiler des jetons croissance à hauteur du chiffre. Par exemple, si tu regardes mon plan de jeu. Ça sert à quoi? Mon séquoia, et bien je dois en empiler 13 pour marquer 8 points. Je dois en empiler 8 pour marquer 13 points de victoire. Le chiffre qui te donne le nombre de jetons que tu dois empiler, et si tu arrives, tu as le dessous, point de victoire. C'est les points de victoire. Okay. 8 pour 13. Alors c'est rare, hein. C'est, généralement c'est genre là 4 pour 5, 4 pour 6, etc. Je vais piocher pour le moment, j'arroserai plus tard. Jouer un événement. Ah, un événement, c'est quand on veut. Si tu n'y arrives pas, c'est 1 pour 1. D'accord. Non, je peux pas faire de la phase. Je peux pas jouer un événement. Vous devez choisir plateau ou tableau. Donc là, le plateau me permet de recycler, de gagner 2, c'est ça? Composter 2 cartes de votre main, gagner une croissance. Et l'autre, c'est payer 2 cubes et gagner 4 croissances.
Ouais. Mon tableau plateau. On va payer J'ai les. oublié de faire mes actions au tour d'avant, en fait. Pas compris. Et deux cubes. On gagne 4 croissances. Ok, ça y est, j'y suis, je crois. Là, je vais recycler deux de ma main. Ça y Remplir est, au compost. le dessin animé a fait Son son œuvre. effet. Ils sont calmes et ils vont dormir. M'embête ça quand même. Je vais enlever ça avec. Et du coup, gagner une croissance. Hop! J'ai fini mon séquoia déjà. Bim! Oh, 13 points de victoire. c'est caché les points de victoire. Oui, parce que tu peux. Là, je l'ai fini, mais je pourrais à tout moment enlever des croissances pour les remettre ailleurs. Alors, j'ai que 4. Il a intérêt, il a dit. Les gamins, ils rigolent zéro. Il faudrait que j'ai combien pour la planter? 7. Beaucoup sept. Hein. Les ennuis commencent. Il composte deux cartes de la piocher. Mais très bien, puisqu'on nous a dit qu'il fallait un, c'est pas moi. On nous a dit qu'il fallait composter 15 cartes. Vous en êtes où? Moi, je suis à 8 déjà. 4, 8 pour. De toute façon, pas besoin de ce score, on sait déjà qu'il va gagner à la fin. C'est pas dit. Non. C'est pas son jeu favori. Dernière fois, il a perdu. Je vais exploser. Parce que j'ai expliqué les règles à moitié. Là, je Mais reviens 2 mois plus tard. ouais, c'est 2 mois plus tard. Alors, On y rejouera tous les 2 mois, de toute façon. ils disent payer, composter une carte de votre main et gagner deux jetons de sol. Ok. Ah, je suis d'accord. Bonne strat. C'est bon, ça. Non, faut pas l'encourager sur ça. Alors, j'ai déjà 1, 5, 4. La valeur de rond, là, je sais pas comment ça s'appelle. La valeur de rond, croissance? Ouais, de croissance, c'est laquelle? C'est celle qui est à droite ou celle qui Non, est... c'est celle qui est dans la forme de feuille, puisque c'est la feuille la forme de point de victoire. Dans le rond, c'est le nombre de jetons que tu vas devoir empiler. Ok. Et en l'autre, c'est les points de victoire que tu gagnes. Là, Oh, c'est ouais. 2 pour 5. Je C'est l'ai, je balèze, l'ai. hein. 2 pour 5, c'est pas beaucoup. Enfin, c'est un bon ratio. T'as regardé mon jeu. Là, tu vois, t'as mon écran à droite et à gauche, ça va? Je t'aide, elle est pas contente. Incroyable. Bon, qu'est-ce que je fais? Je faut que je Je sais recycle pas, une mais le carte. chrono tourne. Je paye avec mon tremblement de terre. Voilà. Ce serait tout. Comme tremblement de Fin de terre. la J'ai phase. beaucoup de mal à utiliser les événements sur ce jeu, je les trouve assez punitifs. C'est juste que il faut sacrifier des croissances et bon, Ouais. moi j'y suis pas donc. Pas de pitié pour les croissances. Ah, planter une carte. J'ai pas de sol. Donc Ah, ne ça c'est pas cool. planter de carte. Et ben oui, je 1, confirme. 5, 4. Je Donc là, si confirme. jamais on a 2. On a pioché une carte, ok. 2 dans la ligne, ça fera l'objectif. Moi, je vois pas mes points de victoire. N'en as pas pour l'instant? Ben, normalement, si. Mais tu les vois pas, ça sera la fin. On est d'accord que les Alpes, c'est 7 points pour une ligne où chaque... Peut-être t'as pas une ligne complète encore. Ah non, t'en as que 3, c'est une ligne de 4. Hein. Mais je viens de poser la quatrième. Ah mais parce que elle est pas encore. Le tour est pas fini encore. Ah, Marquez 7 PV par ligne dont les 4 cartes ont un nombre de pions croissant mais ça sera compté à la fin. différent. Non, mais c'est pour savoir si je me suis pas trompé de symbole. 1, 5, 4, 2. C'est bon, c'est Ouais, différent. c'est pas c'est bon, c'est différent. Ouais. C'est très bien ça. Un de croissance qui me sert un peu rien, j'ai pas un. Et là, je peux gagner 2 cubes. Donc plateau d'abord. Bon, apparemment, je sais pas. Il y a des Je vais mouvements. gagner les 2 cubes. Vous ah, pouvez gagner jusqu'à rien. Pourquoi? C'est pas rocailleux ça. Tout à l'heure, j'ai gagné 2.
capacité de pouvoir les remplir avec des germes. Gagnez 2 germes pour chaque carte habitat en rocaillou que vous avez planté ce tour. Ouais, planté ce tour. Ouais, moi c'est pareil. Là, j'ai pas de croissance. On est passé. Oh, j'ai mal lu. Oh, le boulet. Oh, le tour pour rien. J'ai pas planté de cartes, j'ai rien fait. J'ai c'est absolument toi, rien c'est fait. Premier joueur. Je composte. Ça sera meilleur. Je composte et je recycle 2 cartes de la pioche pour rusher cet objectif. Ah là là. Ça rush. Moi aussi, ça demande pas de réflexion comme ça. Tu les vois pas. Ah, mais vous êtes trop fort. Pas trop fort. Mais Arcon a 8, t'es à 10 et je suis à 5. Ah, mais après, moi, j'ai pas avancé sur les Alpes, tu vois, par exemple. Tu peux pas être trop fort partout. C'est juste que les marrons, c'est un peu une course. Les autres, t'as le temps de voir à la fin de la partie, quoi. Enfin, c'est tout au long de la partie. C'est tout. Comprends-tu? Ouais, attends, il faut que je défausse une terre de ma main. J'ai bien compris qu'il fallait que tu réfléchisses. Je suis bugué. Ah, ça bloquait fort, hein. On nous dit des flores avec des zones géographiques, je n'en ai pas. Des flocons, ce sont toutes des flocons. Capacités différentes, bon, je n'en sais rien. Pardon. Ça va hier. Bah oui. Salut Dolmore, comment ça va? Et salut. Petit coucou. Il nous fait des petits coucou en ce moment, Dolmore. Ouais. Tu es au boulot. Et je paye. Et parti. Allez. Je peux activer, mettre, retirer un germe, mais j'ai pas de germe. Le jeu, il propose plein de trucs. Arrêtez de me faire réfléchir pour rien. Non, je vais aller au cinéma. Oh, nice, tu vas aller voir quoi? Qu'est-ce que tu vas aller voir au cinéma? Que j'essaie de réfléchir, qu'est-ce qui est en ce moment, mais j'ai pas le calendrier des sorties en tête. Ta fille veut qu'on aille voir le truc des animaux qui chantent. Ah, je crois qu'elle voulait qu'on aille voir le Miyazaki. Ah oui, aussi. Bon, il y a la femme du président nous l'a pas bien vendu. Piocher 2, gagner 2 croissances. Piocher 2. Pas de carte avec des croissances, donc ça pioche 2. The Marvels, en tant que fanboy Marvel. Ok. Ok, ok. C'est bien ça. Ah oui, j'ai eu des événements. Ça me plaît bien ça. C'est quoi l'histoire de The Marvels? J'avoue que le titre, je me suis dit, mince, c'est que ça parle de quoi, The Marvels? J'aime bien Marvel, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois j'y vais, je suis pas forcément satisfait, on va dire, entre guillemets. On cite les deux pour une croissance. Attends, hein. Poster 2 cartes votre nom, je vais le faire. Hein. Plateau. Composter 2 cartes de votre main. Je pense que... Je vais enlever celle-là parce que celle-là quand même me dit que... Je ne voulais pas trop. Parce que j'ai envie d'enlever celle-là, mais ça va, tu... Vu ma maîtrise, ma connaissance de ce jeu, je n'ai fait qu'une partie. La première fois qu'on a découvert sur BGA. Ah. Alors, c'est Captain Marvel qui a des soucis avec ses pouvoirs. Il y a du body swap avec 2 autres super-héroïnes issues de la série D+. Des séries D+. Ok. Disney. Plus, merci. J'avais pas le D+. Disney Plus. Bah, c'est... Il faudrait que je plante des cartes. Ah, ça tombe bien. On va y aller. Est-ce que j'ai de quoi planter? Body swap comme Freaky Friday entre toi, je vois. Eh bien écoute, tu nous diras si c'est cool. Tu vas bien aimer.
Nous, le dernier qu'on a vu, c'est Morbius sur Disney+, justement. Au niveau des séries, on est complètement à la rue. Le dernier que j'ai vu, c'est Captain Soldier, là. Non, Winter... Captain America, Winter Soldier, Ouais, je sais pas je crois quoi, là. qu'on a regardé ça. Je sais pas... C'est moi qui l'ai regardé tout seul, tu l'as pas regardé. On a vu un épisode ensemble et j'ai fini la série tout seul. Ah ouais? C'était pas là? Vous devez planter une carte. Eh ben ça me va très Mais c'est bien. gentil. Je vais planter. Ah, il faut la sélectionner pour la C'était quoi planter. ça? On peut payer avec des germes. Les patatos, pas maintenant. En dessous. Planter une carte. Payer 4. Payer 4, on n'a pas de germes. On est à 12. Prendre la phase. De la fin. Moi je joue après. Je joue un peu à l'aveugle. Hein. On a eu peur. C'est quoi ça? What? Tous les arbres coûtent un jeton sol de moins. Oh, ça m'aurait bien plu parce que moi, tu vois, dans moi, j'ai un truc qui dit que je gagne 3 points par arbre que je plante dans cette colonne. Ça m'a un bon sol bien fertile pour les arbres. Mm. Alors que moi j'ai une réduction sur les champignons, je joue pas champignons. Moi je joue ce que je trouve. Hein. Essuie tes lunettes. La série Miss Marvel est sympa, même si ciblée ado, l'histoire est sympa avec le background de l'histoire du Pakistan Inde. Vous devez choisir l'ordre, donc en vert ici je peux. J'ai pas planté de rock. C'est quoi tous ces effets? Moi j'ai rien qui s'active. Et ici une croissance, donc tableau plateau. Mais sur vert, j'ai pas d'effet vert en fait. Croissance ici, gagner un. Shrubland, c'est quoi en français? Une zone arbustive. Shrubland. Je vous laisse. Amusez-vous bien. Merci Eddie d'être passé. Bon courage pour le boulot. À très bientôt. Alors, les arbustes, on les voit comment? Les arbustes, c'est quoi le symbole d'arbuste? Ah, c'est ça. J'en ai pas, donc je pourrais pas te c'est dire. C'est ce que j'ai, moi, je crois. Alors, c'est sympa, pas mal de choses à prendre en compte. Ouais, moi, j'aime bien, en fait. Je retrouve les notions de combo que j'aime bien dans certains jeux. On a vraiment cette idée d'aller construire un tableau de cartes en réfléchissant en colonne, en ligne, avec des objectifs communs. Et un setup de départ, j'aime bien ça. Ça me fait penser à Terra, quoi. Tu choisis ta corpo, tu choisis tes cartes de départ. Là, c'est un peu pareil. C'est un peu la même chose. C'est quoi? Enlever un cube. Okay. Alors, je te l'ai peut-être pas dit ça, mais ici, si tu vas dans Progrès, il te dit où est-ce que t'en es sur les trucs. Tâche bleue. C'est quoi? Mais je peux défausser une carte de main. Hein, oh, je vais défausser celle-là. Là, quand même plus. Hein. J'ai vraiment l'impression de jouer au hasard, mais. Les choix de départ sont importants car l'aléatoire est gênant parfois. Oui, bien sûr. Entièrement d'accord avec toi. Je passe parce que je n'ai pas de cube. On n'a pas eu beaucoup l'action des cubes. Je vais faire ça, moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai la place de les mettre. Fin de la phase. On va aller en bleu, nous. Oh, nice, c'est bien ça. Qui est le first player? C'est toi. C'est moi. Tu vas aller arroser? Arrosement. Je peux gagner 2 cubes ou 2 sols. Je pense que je vais prendre les sols, hein, parce que j'ai un peu du mal à générer les sols. Les cubes, je n'en ai pas spécialement besoin pour l'instant. Je sais pas qu'est-ce qui est important dans ce truc. C'est de faire des points. Non, mais 1, 2, 3, 4, 5. Eh, vous avez quand même bien avancé, parce que je crois que le jeu s'arrête quand il y en a un qui a fini son tableau, tu vois. Donc moi, si je prends trop mon temps, j'ai déjà 2 quarts de retard déjà sur vous, quoi. J'ai pas beaucoup planté. Avec ma strat de jeu rush, le tableau, le plateau, plateau, tableau, ça veut dire quoi ça? Le tableau c'est tes cartes, le plateau c'est ton plateau personnel.
Ça veut dire quoi? Le tableau de 4 par 4, oui. Et bien tu actives les effets des cartes. Hein. Soit d'abord tu actives ton plateau personnel, c'est-à-dire tes cartes ici, soit tu actives tes cartes. C'est tableau ou plateau. C'est un tableau de 4 par 4, ouais. Bon, 3 et 4, t'es déjà bien avancé, hein, quand même, Arco 1, t'es déjà 7 cartes. Je ne suis que à 3. Je peux enlever 1. Gagner 3. Enlever pour gagner 3. On peut enlever 1000 fois. C'est une carte. T'as vu qu'il y avait des petits détails là, il y a des petits oiseaux qui volent. Mais oui, des petits oiseaux qui volent, des flocons de neige qui tombent. Des flocons de neige qui tombent. Ouais. Et je peux... Après les arbres, les caillas, c'est la gadoue fun. C'est vrai que c'est des doux. Ah bah oui. Franchement, les habitats de neige. T'en as beaucoup? D'ailleurs, j'en ai 5 sur 8 moi. Ah, mieux que ça toi? Moi j'ai 1. Il y a quelqu'un qui a pas tout compris au jeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, t'en as un de plus. Ah non, 7. Et 7 avec celui-là, ouais, t'as 7. 6 sur 8? Là, je te vois 7, moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, 7, hein, je pense. Heureusement que ça commence à se passer de mode. Moi, j'aime bien ce jeu. Tranquille, ça permet de discuter. Dans la rue partout. Bon, 8 sur 8. Allez, voilà. Il va avoir fini. Bien joué, Arcon. Dans la neige. Trop fort. Planter une carte. On va quand même planter une carte, mais... Planter quoi? Un arbre? Non, j'ai pas d'arbre. Je planterai pas ça, quand même, parce que... Ça va bien avec ça, hein. Parce que je vais planter ça, c'est quand même 9 points de victoire. Hein. Je vais planter celle-là, que je vais mettre à côté. Que 2. Ça mange pas de pain, comme dirait l'autre. Parc herbe. Toi, t'aimes tout. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ça va être la souffrance pour l'oublier à côté. C'est le Mimi, c'est l'Aurora. Copy one red ability from your island. Elles sont traduites les cartes. Hein. Ouais, j'aime bien. D'accord. Je comprends bien en anglais, c'est juste que... Vous trouverez des bons côtés au Uno et à la bonne paye. Bah, bonne paye à la maison, je vois avec les enfants. Les enfants, ils jouent souvent en plus. Le Uno, c'est rigolo. Comme n'importe quel type de flore. Le Uno avec les règles à l'Aquitaine, c'est rigolo. Moi, je joue ça. Je sais pas trop où ça va me mener. Mais... Oh, la souffrance. Mais non. Bon, c'est Arcon qui va gagner. Il a un meilleur lot que moi. Ouais, moi, j'ai un. Alors, Sloubi. Chante Sloubi. Ah oui, on chante à Sloubi. Sloubi 1, Sloubi 2, Sloubi 3. Le chant de Sloubi, je l'avais oublié. Ça, si je joue un événement, ça me fait moins de 4 points de victoire là? C'est quoi normal, ça? Moins de 4 feuilles là? Oui, ça fait moins 4 points de victoire. Je t'ai dit, les événements, ils étaient quand même. Moins de 4 feuilles, je perds 6 germes pour piocher 6 cartes. Non, mais c'est fort de piocher 6 cartes. Pour, hein. Pour qui là? Non, mais j'y crois pas. Alors, combien joué? 15 points sur la neige. GG. 15 points sur la panthère. Il nous a laminado. Vous êtes trop fort. J'ai envie de canner. J'ai pas planté de carte jaune, donc oui, j'active mon effet qui ne sert à rien. Et je rentre à ma maison. Et je rentre à ma maison. Non, mais j'ai une île qui fait planter du jaune, j'en ai pas. Moi, ce que je préfère, c'est quand il dit « c'est pas moi qui explique mal, c'est les gens qui sont cons ». Voilà celle-là. Mmh. Dans la récompense. Tu peux dépenser tes points de chaîne. Des millions de points de chaîne. C'est celui-là, je crois. Je dis pas de bêtises. Lui, il se lance pas. Comme un dingue. T'as vu là? Si. Si?
J'ai une latence de combien? 12 ans? Et demi. C'est pas moi qui explique mal, c'est des autres qui sont cons. Ah ouais. Petite latence quand même, hein. C'est intéressant, c'est parce qu'on a pas un fibre. Arcon, il a trop de... Bon, Arcon, il a des poils, hein. Il a trop de points, trop de cartes. Il a 2x15 points, là. Bien. Tu vas retourner faire la vaisselle, hein. Ça va être vite vu. Alors, retourner faire la vaisselle, elle lui a dit, ben... Il choisit l'action, c'est moi. Voilà. Il est full carte marron. Il y avait un objectif de carte marron, non. Il m'a pas dit, moi. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Le ver de pas terre, moi c'est moi. Mal. C'est les autres qui sont cons. Moi, je suis à tortue, il n'y a pas objectif tortue. Ah, Arcon aussi, qui se met en deuxième position sur le ver de terre. Ça, Dilou, maintenant, quand j'expliquerai les règles du vendredi, tu pourras la passer, celle-là. Bon, le vert, c'est bon, on n'est plus obligé de s'en jaillir là-dessus. Continue avec ça, ça c'est pas mal. Qu'est-ce qu'elle veut ma carte là? Poupi, one red ability from your island. Oui, si tu veux. On a fait un Nippon hier. Eh bien. Je connais pas le jeu. Nippon. J'ai juste le jeu de moi en tête. Nippon ni mauvais, Nippon, oui. Ni mauvais. C'est tout. Encore un jeu où tu risques de pleurer. Oh, très bien. Voilà la réputation que j'ai. Tout va bien. Tout y va bene. Tout y va bene. Attends, j'enlève celui-là même. Ah, t'es concentré. Oh, par contre, le café, ça sert à rien. Moi, je suis quand même fatigué. Hein. Je l'ai bu. Pas l'avoir me le mettre en intraveineuse le café directement avec la machine à côté là. Ou alors je vais mâcher du grain. Oh, c'est dégueulasse. Crunch, crunch, crunch. Oh mais ça réveille. C'est dégueulasse. Et on a perdu l'oubli dans les méandres de la réflexion de type heurtienne. Bah ouais, je suis dépité. Ouais. Suffisait pas. J'ai un pote qui s'appelle Dugrain. Il y a bien un acteur qui s'appelle Jean Dujardin. Un joueur de rugby qui s'appelait Fabien Pelousse. Des dessinateurs qui s'appellent Vincent Dutré. Il y a des gens comme ça. Allez. On n'a pas de limite au nombre de... Non, par contre, si je vois le bouton rouge, on te quitte. De sol. Mais ça va, je suis en positif. Il reste 4 minutes. Waouh, comment tu as fait ça? Ça bouge plus chez moi, le jeu. C'est pas moi qui bloque. Si, c'est encore toi. Moi, c'est encore à moi à jouer. Trop belle cette emote de fête. Ordinaire. Allez, je pioche des cartes. Vous avez plein de cartes et plein d'actions, moi j'ai rien. Alors, piocher 2 ou gagner 2 croissances. Non, piocher 2, je veux piocher 2. Moi je gagne 2 croissances. C'est tout. C'est pas... C'est riche comme tour. Ouh. Ouh. Come on, come on, I got you, come on. Ah ça c'est bien. Deux points de victoire par sol dans ma réserve à la fin de la partie. Voilà. Maximum 30 points. Je peux les activer. Deux. On met ça. On va enlever cette carte-là qui me sert à rien. Alors, Marco, je vais enlever ces deux-là, je pense. Je me lève et je confirme. Fin de la phase. À vous, les studios. Je vous attends, moi. Je confirme. Deux joueurs activés ou non la carte, moins 2 cubes pour 4 croissances.
Assez. Je n'ai pas de croissance à distribuer. T'as pas de croissance à distribuer? Ah, c'est toi qui as dit sur c'est Archon qui a 1 sur 11. Je crois que la technique, c'est de pas de mettre des croissances et les germes au début, j'ai l'impression. Mais bon. Un jour, je saurai jouer à Earth. Voilà, après, il nous reste quoi? La Sterne, c'est quoi? Des flores avec des noms soulignés. 1 sur 3, apparemment. C'est pas ouf. Combien d'infos? 3. Et je suis à combien, moi? Je sais pas. 1 sur 3. Oh! Ah, mais c'est parce que ça doit être notre île, non, de base? Nous en donne tous 1 sur 3, peut-être. Je les vois pas dans les scriptiques le truc souligné. Donc. Bon, je suis à la ramasse, ça m'énerve. Mire! Alors, je vais planter une carte. Non, je suis de bonne humeur. Qu'est-ce que c'était les autres jours? Planter la plantation sur chaque champignon de cette colonne. Ah voilà, j'ai un champignon là. Ah, en plus, c'est full surprise. Hein. C'est vrai que là, le fait de pas avoir de compteur de score. Hein. Là, c'est 2. J'ai déjà 2. Oh. Damn. Oh. Damn. 3. Ici. Un cube. Chaque. Cerisier de la colonne. Moi, j'invente les types. Non, mais c'est trop dur ce jeu. Mais non. C'est. Avec des germes, j'ai rien avec des germes. Moi. Non, je veux pas faire ça, c'est nul. C'est nul, c'est nul. Salut Gaillon. Coucou. Comment ça va? Ça rentre du boulot? Je pense que je vais faire mon minerai là. C'est très bien, ce minerai, je vais le mettre quelque part ici. J'ai cru voir un gros minerai. Très bien, ça. Voilà, je mets voilà. Le minerai là. Ça m'a coûté les os. Et la peau. Comment ça va du coup Gaëlion? Ça m'a coûté 15. Bien bien, comme d'habitude. Et eh ben c'est très bien alors. Mm. Pas bien. Ça dit pas combien ça m'a coûté. Plateau. Là j'ai planté une carte rocaille. J'ai planté une carte rocaille à ce tour. Oh je coupe. Le pile poil 12, c'est vraiment étonnant. Moi j'ai trop d'action dans le vent là. Et chez vous? Eh ben nous ça va bien. Il ça fait va. Beau. Voilà. Beau. On lui bien un peu coincé du dos, mais. Je viens de voir Get on Board en tournoi versus Lubli. Ah. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Non mais joue ton tour par contre. Mais c'est à moi. Mince, c'est à moi. Je regarderai ça après. Alors, il me reste 2 sols. C'est quoi le play là? 2 sols, on va pas loin. Je veux bien aller recycler des cartes. Pour au moins valider cet objectif, comme ça, je suis débarrassé. Pour réclamer un bon massage pour le dos de Lubli. Aïe aïe aïe, tu plantes. Ouais, mais j'ai pas de quoi planter. Il faudrait que je gagne des sols. Mais il va nous atomiser. Il a rempli son plateau déjà. Comment il fait? Eh ben, il est fort. Qu'est-ce que tu... Il a pris des petites cartes, peut-être. Tu vois, moi, le problème, c'est que j'ai un objectif qui me demande de planter des grosses cartes. Je vais faire ça. T'as un objectif qui... Oh, ben, on a un objectif personnel. Ben oui. La carte que t'as choisie au début, ça, c'est perso, là. Moi, je gagne 5 points pour chaque 2 cartes qui coûtent 4 ou plus. Toi, tu as choisi... Deux cartes vertes. Verte ou multicolore. Oui. Voilà, et lui, il a choisi 4 pour 2 qui coûtent 2 ou moins. Chaque 2 faunes qui coûtent 2 ou moins. Ah, oh, t'as choisi déjà là? Donc, oui. J'ai moins 2 sur tous les habitats hivers, voilà. Donc, il joue des petites cartes et en plus, il a une réduction sur les habitats hivers. Après, tant mieux. Écoute, il est fort. Il gagne. Très bien. 2 et 3, 5, 4, 9 et 2, 11. Bon, je vais composter, comme ça, ça va 11. Me remplir l'objectif, voilà. Les verts sont revendiqués.
Le truc, c'est que les verts, on a tous marqué, mais les deux autres, c'est lui qui les a marqués. Faut que je plante de l'hiver. C'est mon objectif. J'étais à 7 sur 8. Eh bien, il me manque une. Je suis qu'à 4. Hein. Je me fatigue. Oh, ce jeu est pas pour moi. Non. Il faut que je joue plus. Un tournoi d'ailleurs, là, on participait à un tournoi de Sawari. J'étais étonnée parce qu'en fait, j'étais à deux tables où les gens ils jouaient pas dans le premier tour. Et ils ont clôturé les parties. Et c'est pas la personne qui est le plus avancée au nombre de points qui gagne le. Comment dire, la table. C'est la personne à qui il reste un timer le plus haut. C'est à toi de jouer. Hein. Ça va vous étonner, mais c'était moi. Ça, c'est un peu dommage quand même. Tu clôtures la table, c'est pour moi, c'est celui qui a le plus de points quand même. Mm. Ça m'a le fait également, ouais. J'ai trouvé ça... Moi, je suis contente parce que c'est moi qui ai gagné, mais je trouvais ça un peu dégueulasse pour les autres, effectivement. Bah, t'avais les deux cas là, t'avais et les points et le timer. Oui, oui, heureusement, parce que j'aurais trouvé ça injuste. Ah. Oui, que je... Voilà. Tiens, recycle, fais ton plaisir. Après, s'ils sont obligés de clôturer la table, c'est que tout le monde a dépassé son temps, non? Non, un seul. Il avait 35 heures de retard. Et moi, j'étais à plus 30 et quelques. Je ne sais pas s'il y a une bonne façon de faire. Ouais, c'est ça, après, peut-être qu'on pourrait se dire. Hein. Moi, j'ai un peu du mal. Je vous avoue, le tournoi, là, c'est un peu long, quoi. On s'est inscrit, ça a démarré mercredi dernier, je crois. Mmh. Le premier. Il y a une semaine, on a fait, on attaque la deuxième partie du premier tournoi et la deuxième partie du deuxième tournoi, on n'a toujours pas commencé. Qui a gagné? Ben, c'est pas fini. Hein. Là, le tournoi, on aura, je pense qu'à ce moment-là, on n'a pas le résultat avant un mois, quoi. Sauf si on après, perd avant. Le truc, c'est que le premier tour, tu épures tous les gens qui se sont inscrits mais qui finalement ne jouent pas le jeu. Donc je pense que là, ça va aller plus vite sur les tables suivantes. Parce qu'en 3-4 jours, elles vont être finies. Enfin, moi, en tout cas, la mienne. Après, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui jouent la nuit, quoi. Enfin, les gens, ils commencent à jouer, c'est 11h le soir. Bon, 11h, je dors, en général. Typiquement, j'ai joué mes coups ce matin, mais après, là, du coup, ils ont pas joué, les gens. On va voir, on verra. Décalage horaire avec nos amis canadiens. Ah, tu penses que c'est ça? J'avais pas pensé à ça, Gaëlion. J'arrête l'action plantée. Pourquoi? Bah sinon, je sais pas. Vous devez planter ou renoncer à planter. J'ai 7. Sinon, je vous explose. Eh ben vas-y. Mais vas-y, hein, c'est fais-toi plaisir. Hein. C'est qu'on n'a pas été bon. Hein. Attends. On n'a pas été bon. Moi, j'hésiterai pas à ta place. Mais moi, je sais qu'elle n'hésiterait pas. Je pense que je vais mettre celle-là quand même pour aller chercher le dernier hiver rapidement. Lui, il va là. Et après, planter une carte. Attendez, une excellente est déjà en cours. Oui, planter une carte. Vous devez choisir une carte de votre main, un emplacement vide de votre plateau. Oui, je viens de le faire 3 fois. Ouais, mais ça, c'est un peu ramé. Je pense que je peux me mettre là, c'est vrai. Ah non, j'ai pas assez, si. Yes, 5. Allez hop, revendication 7. Du renard des neiges. Il y a de ça, je fais partie d'un groupe au Canada et on joue pas aux mêmes heures. Ouais, ça serait une bonne explication. Hein. Ah mais du coup, c'est dur parce que t'as forcément 7 heures de décalage, ton timer prend 7 heures à chaque fois. Hein. T'es vraiment groupé avec pas le même fuseau horaire. Quand hein. T'as 35 heures, au bout de 5 jours, c'est fini quoi. T'es hors timer. Elle a mis oui, mais elle s'en fout. Elle a sa tête de je réfléchis. Elle a mis 12 milliards de combos. Elle est perdue dans des feuilles, dans des champignons. Je suis perdue dans la forêt. Oh non! Pourquoi non? Ben si, je viens de le dire. Je suis le dernier. Je fais exprès de planter une petite carte alors que ça m'intéresse pas. Je vais encore avoir 0 points. Tu vas en avoir moins. Tu vas pas avoir 0. T'as pas 0 dans ce jeu. C'est pire. Il y a des trucs que je comprends pas.
Ah oui, il y avait les lignes de jetons de croissance différentes là. Bon, Moi, les j'ai Alpes, fait, c'est trop dur. Je l'ai fait une fois, mais j'y arrive pas. Bon, ça va, je me lève à 4h, c'est plutôt eux qui risquent de perdre par le temps. C'est vrai, 4h, c'est pas mal. 4h, c'est pas mal. Après, par contre, t'as quand même eu de la chance là, parce que, ok, t'as une réduction sur les habitats hiver, mais faut les piocher quoi. Il connaît le jeu par cœur. Tu crois? Non, je sais pas. Composter deux cartes de bah la non. pioche. Ça gagner sert deux à rien. Sols. Gagner des sols. Ouais, moi aussi, je veux gagner des sols. Ah, en rouge, j'ai un truc. C'est quoi? C'est. Composer une carte de votre main, gagner un cube de germes. Ah, oh ouais, je veux faire ça. Moi. Je vais enlever quoi? Je vais enlever ça, je pense. Gagne un germe. Je vais mettre là. Non, je le connais pas par cœur, mais je reconnais que j'ai eu de la chance. Ah! Une carte de ma main. Bon, je suis plus à ça près, hein. C'est bon, t'as fait un 4 avec ton tableau. Payer une carte. Comment ça, payer une carte? Ah oui, je viens de le dire. Du mal. Hein. Ça se voit pas. Ça peut te rassurer, ça ne se voit pas. Sauvé. Allez, le Shrubland à la poubelle. J'enlève un cube. Gagner de s'en planter. 1, 2, 3. 42, plus 12, moins 2. Moi j'aurais perdu, hein, je vous rassure. Tu nous rassures pas. Hein. Il n'y a que mon minerai là. J'ai 15 sols chez moi, minerai. Ça fait 30 points. Je sais pas si c'est bien. Comment ça fait 30 points? Mais mon minerai, c'est 2 points par sol dans ma réserve. Ma réserve elle a 15 sols, donc ça fait 30 points de victoire. Voilà, voilà mes points de victoire. Ah, vous en avez déjà avec les objectifs tous les deux. Vous me trichez. Mais non, c'est pas moi, c'est Arpon qui a plus de points que nous. Hein. Arpon qui triche. Mais il triche pas, mais il a bien optimisé les deux premiers. Ah, il est trop fort. Et tu peux jouer la sterne. Avec quoi? Avec la sterne. Ouais. Ouais. Ça c'est de l'explication. Tout à l'heure, je me suis fait avoir sur les cubes. En fait, il faut les cliquer en bas. Je les ai pas cliqués. Je pense que j'ai perdu au moins 2 ou 4 cubes comme ça. Bon, au début, j'ai passé mes actions. J'avais pas compris qu'est-ce que ça me demandait. Ça me demandait de sélectionner les cartes en bas. J'avais pas compris. Donc... Bon jeu, moi, petite sieste. Ça marche, Gaëlion. Ça bonne, marche. Bonne petite sieste. Hein. Ouais. Bon propos. Moi je fais pas la sieste, sinon je dors vraiment comme un débile. Si à 2h je me couche, je me relève, c'est 19h. Et je suis pas content. C'est du colère. J'ai dormi, je suis pas content. Trop bon la sieste. Non, non. Dormir, c'est perdre du temps pour moi. Ouais, ça, à certains moments, c'est vital. Hein, se proposer. Allez, c'est bon, j'ai fait toutes mes actions. J'enlève tous mes points de victoire, c'est bon. Voilà, mais c'est ça qu'il faut faire. Pour le con. Et c'est passé. Moi, j'ai recyclé la carte qui me permettait d'avoir la Stern, si ça peut vous rassurer. Stern, my name is Stern. Do you complain? Alors, où est-ce qu'on pioche? Stand by me. Stand by me. Oh,
Down by me. Ah oui, non, j'avais pas ça. Na, 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 na. Je viens de virer une carte qui me fait 2 points par carte avec une capacité rouge. Ça a pas l'air cool, effectivement. Piocher 2. Les croissances, j'ai pas besoin. Donc, piocher 2. Pas de pitié pour les croissances. Exactement, pas de pitié pour les croissances. Tiens, voilà, gagne tes croissances. Tiens, voilà, gagne tes croissances. Tableau plateau en jaune, recyclage pour une croissance. Moins de cubes pour 4 croissances. You don't have enough. Hey, merde. You didn't have enough. Just can't get enough. Just can't get enough. Eh bien non, alors. Si tu veux pas que je paye pas. Si tu veux pas que je paye pas. Et ben. Et je recycle ça et ça. Bim, boum, à la boum. Ça fait bim, bada, bim, bim, bada, bada, boum. Ils sont fous. Oh, mais j'avais mal compris le pouvoir. Je suis un boulet. Un peu. Vous voulez pas planter des cartes? Fin de la passe. Bah si, vas-y, envoie-nous-y. C'est pas moi, c'est Arcon qui va jouer. Et nous planter. J'ai des tout petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Planter. Ah, une carte à 13. Ah, elle a intérêt de faire 1 milliard de points, celle-là. Alors là, elle m'en fait 14. Mais... 1 milliard. 1 milliard, c'est pas faux. Alors. À 14 plus 3. Hein, on est en vert. Carte à 17 points quand même. Ça se la pète. Moi, bon, il est planté, coco. Non, qu'est-ce qu'il plante? C'est du manioc. 2, 2, 2, 6. Je sais pas. Deux cartes qui coûtent 4 plus. Attendez, une action est déjà en go. Attendez, 1, 2, 3, 4. Non, mais fais pas. Oh, Arcon, il a eu la sterne aussi. Oh. Ah, mais tu fais rien aussi. Bah oui, bah écoute, je fais rien. Aïe, aïe, aïe. Plateau. Là. Ah. Et je comprends pas cette carte. Paco. Non, c'est pas Paco, c'est pas Rocailleux. Oh, j'en ai marre. Je fais des actions qui servent à rien, je gagne rien. C'est hyper dur comme jeu. Mais non, la dernière fois, je m'étais mieux sorti que ça. Là, je me suis mis dans une idée. C'est pas très bien, je me suis enjaillé avec mes arbres. 3 points par arbre dans cette colonne, je me fais. Oui, pour pas grand chose. Oui. Oui, t'as vu, je suis resté poli. Hein. Pas faux. Je pense que... Un arbre à pommes. Un apple tree. On va faire ça. Hein. On va faire ça. Mmh. On gagne 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah non, je fais des petits cubes. En plus, à la fin, on a des points. Moins 3 cubes pour 2 sols de plus. Non. Non. J'ai aucune capacité bleue. Eh bien. Il est bien prévu, ce plan de jeu. Mais non, mais ça sonnait bien dans ma tête au début. Je vais faire des trucs tableau, hiver. Plateau, plateau, tableau. Oh, je sais pas. Tableau, c'est notre début et c'est quoi? Tableau, c'est ce que tu construis. Plateau, okay. C'est ce qui est fixe. C'est déjà là. Donc, tableau. Plateau personnel, le tableau, c'est une construction de tableau. Ah ouais? Donc de moi. On pose des questions, on répond et elle se moque de moi. Tu n'as pas le droit? Non. Maman, si. Ah, c'est ça les noms. Ça y est, je les ai.
les vois soulignées. Mais non, ah oui. Ça y est, tu vois des cartes. Pas deux apparemment. Pas trop mal. Ah mes souhaits. Tes souhaits. Non, mais trois fois aujourd'hui. Le bénir. Qu'est-ce qu'on attend? C'est moi. Le bénir. Mais attends, je fais mes coups. On attend l'oubli. Sans tourner papini. Ah non, il m'a pas laissé le temps de jouer mon événement. Ah oui, par contre, c'est oui, t'as 10 secondes. Ouais, mais j'étais en train de scroller pour regarder. Oh non. Je voulais cliquer sur l'événement, ça m'a mis et ça m'a enlevé et du coup ça a choisi. Refait du bleu, génial. Hop là. Ah, c'est un jeu qui pour moi ne me prend pas une trop grosse charge mentale. Tu peux deux cartes pour Archon et il aura fini. Voilà, la vraie leçon, elle est là. Par les 7 points d'avance, 12 objectifs. Bon, bah voilà. Ouais, voilà quoi. Bon événement, laisse-moi jouer mon événement. Je vais enlever un pour gagner. Oh, moi je serais plus là. Vivement qu'on ait les pulls moches de Noël. Tu m'as pas laissé commander un pull moche de Noël. Ah oh, ils étaient bizarres ceux que tu voulais. Mais c'est un pull moche, c'est le principe. Ouais. Mais il faut des pulls avec lesquels on se fait pas bannir de Twitch. Parce qu'il y en a deux dans le lot, le ban était là, quoi. Moi, ça me fait rire. Oui, oui. Apparemment, bon, on n'a pas le même humour. C'est bon, je vais faire la partie. Ah non, fais pas ça. Si, si, pas, non. J'ai zéro point. Alors attends, tableau. Tableau. Casso. Ah, en plus, tu choisis pas dans l'ordre où tu fais tes actions, c'est dans l'ordre où elle s'est posée dans le tableau. Alors, on part de droite à gauche, je crois, sur les lignes. Ouais, et de haut en bas. Je croyais que tu pouvais choisir la carte que tu activais. Bah non. Non, il y a une séquence aussi, ouais, c'est vrai. Ça, je l'ai pas précisé, ah. J'avoue. Je découvre. C'est bon, c'est à peine la partie, je découvre la règle. J'ai posé trop de cartes beiges qui n'ont pas de capacité. Ah. En fait, je me suis fait brain par les symboles, là, tu vois. Première, elle m'a dit, vas-y, plante des arbres. Je me suis dit, ah ouais, avec mon séquoia géant et tout. Et là, j'en ai une, en fait. Le truc, c'est qu'elle, tu vois, elle est vilaine. Elle me dit, tu fais une ligne de cartes continue et tu prends 2 points par carte de type rocher qui est dans cette ligne. Mmh. Donc, pas envie de poser des cartes rochers. Des Ferrero. Des Ferrero Rocher. Mais j'ai pas même. J'ai un peu peur que Arcon il mette fin à la partie. Celle-là, elle est pas dans le bon truc. Comme je suis finalement. Boum. Je peux pas revenir en arrière. Donc là, j'ai qu'une ligne de 3. Si je posais un rocailleux ici pour faire 1, 2, 3, 4, 5 et faire 10 points. Bon, c'était pas l'action que je voulais faire, hein, mais bon, c'est pas grave. J'ai fait de la caca. Pardon. Piocher deux cartes, gagner 2 croissances. Piocher 2. Bah, gagner 2 parce que notre ami Archon va bientôt mettre fin à la partie. Dans le jaune, je peux recycler 2. Voilà. Ça fait 3 points. Voilà, je grappille les points. Et comment on met fin à la partie? C'est quand il a fini son tableau? Oh, mais. Quand il met fin à son tableau, il a. Il reste 2 cartes. Mais là, c'est rare que la partie avance autant quand même, c'est... Mon effort, on l'est pas. Du coup, je l'ai pas vu souvent, ça. Ça ne me sert à rien. Moi, c'est facile.
C'est assez facile. Hein. Lubli, elle est en PLS. Hein. Je parle plus. C'est sec. Mais... vide à l'intérieur. Non, non, non. C'est si. Là, s'il y a l'activité cérébrale derrière, là, c'est. C'est pas vrai. C'est. Oui, alors. Il y a des arbres, des feuilles. Je me demande comment on peut être aussi mauvais à un jeu, mais c'est pas pareil. J'avoue que là, on n'a pas été très, très, très bon. J'ai aucun objectif, j'ai essayé. Même le recyclage est fait pour vous. Bon, moi, c'est ce que j'ai fait en premier, le recyclage, mais. Je vais mettre là pour faire mes points, mais. Ah, je peux planter une carte. 2, 4 et 6. Donc, il faudrait que j'ai une carte à 3, par exemple. Ça, c'est bien. Une seconde carte. Ça me fera une ligne à 6 points. Fin de la phase. On est en phase verte. J'ai pas d'effet vert, je crois. On pose des autres noms au lieu de jeter un sol. Moi j'enlève ça et ça et let's go quoi. T'as pas planté Arcon ou t'as planté et on n'a pas vu? Ça hein. Let's go. On n'en a plus besoin. Oh, j'ai réussi à faire la sterne aussi. Je fais un swap pour plus de points de victoire. Je vous laisse là-dessus. Moi aussi, je vais taper la sieste 4 heures cette nuit. Trop court. Ah, ouais, 4 heures, c'est court. Yes, profitez-en tant que les enfants se reposent aussi. À plus tard, mes gamins. Dans la trop grande ville, avec le cafard tranquille du passant. L'important, la rose, l'important, la rose, pour moi. Je vais prendre ça. J'ai pris un peu de temps là. Je te fais attendre. Ouais, c'est moi pour une fois. Un monsieur revendique sa sterne. Avec le cafard tranquille. Hop. On gagne ça. Pourquoi tout le temps ça me dit action non confirmée? Bon après-midi, Megamo. Ça, c'est ouf le retard qu'on a quand même. J'avoue, il a deux cartes de finir et on t'imagine 1, 2, 3 plus 4, 7 cartes quoi. Entre les arbres, c'est rare, non? J'arrive pas à en choper des arbres. Vous devez planter une carte. Mais je crois que j'ai plus de sol, non? Ah si, j'en ai pile poil un. Ah mais ça me fait un point. Ah oui, ça en fait 3 de plus, hein. Faut la mettre ici. C'est pas un arbre non plus hein. Il
n'est pas un arbre. De par Dieu. Soleil. Pour la traduction. 13, ça coûte beau. 2 PV par amitié ensoleillé. Toute zone de jeu d'un joueur. Huit soleils. Pas mal. 16 points. Ouais, mais ça veut dire que j'utilise mes sols. Bon, je plante une carte. Plante une carte. Vous devez garder l'une des cartes piochées. Tu retiens pas pour noir, con. Hein, si ouais, tu ouais, veux ouais. Mettre fin à la partie, n'hésite pas. Hein. T'as gagné. Hein. Ah, ça y est, ça me revient ce que j'avais dit que je voulais qu'on fasse vendredi. C'était Russian Railroads. Ouais. Je veux plus de points de victoire. On était en vert, donc tableau, plateau. Ça. Toujours plus de points de victoire. Je sens chafouine. Non. On peut dépasser par ce jeu, mais... De cube ou de sol. Pareil. Ouais, dur. Hein. Prendre les cubes au cas où. Ok. En bleu, j'ai des actions bleues. Non, je n'ai pas d'action bleue. Il faut du café. Ah, c'est pas encore. Hein. Oh, une heure et demie avant le café. Dur. Tableau plateau. Allez. Tableau plateau. Je vais recycler 3 cartes. T'es sûr? T'es sûr de toi? Celle-là, oui. Dans ce jeu, on recycle pas en compost. Ouais. Pas pareil. Il a l'air dur pour toi, ce jeu. Désolé, hein, je fais des efforts. Hein. Ah ouais? Je me tarde d'avoir la stat de réflexion hein, par rapport au delta de points. Alors, ça pourrait être une stat, ça, hein, quand même, ramener ton temps de réflexion par rapport aux points en moyenne que tu gagnes. Laisse-nous tranquille avec nos temps de réflexion. Oh, police ou quoi? Eh non, mais ça pourrait être une stat intéressante. En moyenne, sur un jeu, quoi, j'ai une efficience de, je sais pas moi, 4 points par minute. S'il faut, t'as une efficience, je sais pas moi, de 4 points par heure, tu vois. Sinon, je gagnerai encore plus souvent.
j'imagine. Britso. Le Britsnia. Ça, c'est mort. Ça n'existe pas. Ça, c'est pas possible. Alors, je peux gagner jusqu'à 3 sur mes biomes là. Donc, ça, je peux gagner ça, que 1. Des biomes, et... ça joue à des jeux différents en même temps. Eh bien, fin de la phase. Hein. Est-ce que tu as déplacé ton chameau? La zone, bah, c'est optimisé la zone. J'en peux plus sur ce prince. Il va nous mettre 400 points dans la vue. Et eh ben, c'est comme ça. La écoute. Feuille. C'est plutôt thématique s'il nous met la feuille. il fait des petits croissants là. Il sent pas que il va gagner avec suffisamment de points. C'est moi qui viens faire la croissance. Ah. Ah. Moi je veux des arbres. J'ai du mal à trouver des arbres. Mais c'est trop tard. Oh, c'est quoi, si tu les as pas plantés il y a 3 jours, c'est trop tard. C'est jamais trop tard. Never late. On se quitte les deux pour faire une croissance. It's too late. Enlever ça. Tout enlever. Un cuba. Une cubasse. On va compléter. J'arrive un cuba. Pour gagner 3 croissances. Le pire, c'est que n'importe lequel d'entre nous peut mettre faire la partie. Oui. Moi, je peux mettre faire la partie. Ah ben, il suffit de compléter son tableau, hein. Oui, bah oui, mais bon, il suffit de 2 actions de plantage. Mais si tu amènes Archon sur du plantage. Hein. Vous pouvez gagner jusqu'à rien. Moi, j'ai eu beaucoup de fois celle-là sur la partie. Mais rien gagner alors, hein, merci. C'est une action qui vous fait rien gagner. Merci. Vous le faites ou pas? Je peux gagner des champis, mais gagner 0. Hein. Des champis. J'ai déjà mis des champis partout là. Des champis partout. Fin de la phase. Maoula. C'est à la fin de la phase qu'on compte les phases. Oh, tu t'es bien rattrapé toi, sur ton tableau. Ouais, bon, je suis à 8, 10 cartes sur les 16. Il en manque 6. Hein. Ouais. Ah, il y a un objectif, c'est si on en a 7, c'est ça? Non. Si t'as complété, t'as 7 points. T'as pas tout complété. Eh oui, tout complété. Oui. Oh là là. Encore des trucs que j'aurais pas. Mais c'est terrible. Ah, je suis premier joueur. Un d'engrais. Oui, moi aussi. Et bon, on va chercher de l'engrais. Bah oui, là il faut. On composte. Faut composter, ouais. Allez. Gagner deux. Fin de la phase. J'ai des actions rouges, je crois. Composter deux de ma main, je pense. Ah, c'est deux de la pioche. Un pour gagner un cube. Yes. Enlever celle-là, je pense. Ok. Je veux bien. Je suis pas mal là sur la compost quand même. Je suis à 35, hein. J'ai mis 10 points dans la vue sur le compost. C'est bien. Ah, Marcon, il a 37 cubes sur son plateau, j'en ai 16. Je crois qu'on marque un point par cube. Hein. Il a 31 sur 3. 16 croissants sur 26. Donc, t'en as 31 des croissances quand même. Oui. T'as sacrément croîtré. Cru. Oui. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Qu'est-ce qu'il nous fait Archon? Pourra pas. Quelle action choisis-tu? Attends, j'ai pas fini toutes mes actions moi. Oh mais t'as pas fini? Non. Oh là là. Mais j'ai trop d'actions à... Ouh, loulou. En orange.
Orange. Je pensais qu'on était sur le tour d'après, mais non, pas du tout. Mais pas du tout. Pas du tout. On fait le stock de compost. End la phase. End of the phase. End of the game. Si par un verre, c'est fini. Est-ce que tu regrettes de ne pas l'avoir acheté maintenant, ce jeu qu'il est bien? Toujours pas. Mais je suis mauvaise, je vais pas regretter de pas avoir acheté ce jeu. 300 parties en cachette sur BGA, vous allez voir. Il y a plein de jeux où t'es mauvaise et t'aimes bien les jeux quand même. Moi je suis mauvaise. Je comprends pas celui-là. Le caméléon. Certes, île ou climat. Avec deux capacités défense dessus. Il y a eu sur la carte, oui. Je croyais qu'on comparait les cartes 2 à 2 et elles ont deux capacités différentes. Comment? Oh là là, la loose. Ah, la loose. Non, mais sérieusement. Allez, m'expliquer ça. Fallait le demander. M'explique pas le jeu et après, je râle. Non, tu râles pas là, tu râles là. Non. Oui. Je me rappelle maintenant que le jeu, il faut quand même connaître pas mal les cartes pour performer, quoi. Pour comprendre ce qui se passe. Il faut comprendre la règle d'abord. La règle, elle est simple. Hein. Non, non, non. Écoute, tu iras sur YouTube, il y a un mec qui a fait super vidéo règle. Ah ouais? Je le connais pas. Recycler deux. Ah, non, je veux pas le faire, j'ai pas cette carte. Mais moi, je veux pas, parce que j'ai pas besoin de mushroom. Mushroom. Fin de la phrase. Je peux piocher une. Il se régale, alors, il fait durer, il fait millionner. Oui. On fait ce meilleur score ever. Oh, fais-toi plaisir. Ne rien gagner, voilà. J'aime bien cette phrase. Ne rien gagner. Partez. En fait, d'habitude, j'arrive à avoir des choses qui consomment, qui t'enlèvent des croissances. J'en ai pas. Pas possible. Je sais pas si on peut consommer croissance, je vois pas fait gaffe. Non, c'est pas à moi. Ça va être à moi. Tu veux me laisser planter une carte? Non. Allez. J'aurais au moins fait encore un objectif. Fin de la phrase. Je génère pas assez de sol. Tout c'est complexe. Ah. Eh oui. Ah. Par contre, il fait un temps de zinzin. Ouais. Quelle température il fait là? C'est incroyable. Activé. Deux de plus. Recycler un pour un cube. Dégage celle-là. On gagne le truc qui nous manque ici. J'ai 7 actions rouges. Moi j'en ai 4 ou 5 déjà, c'est pas mal. J'en ai 2. Ah, je vends le cactus. Et dans la vie, il y a les cactus. Aïe aïe. Yes. Aïe aïe. Je recycle une carte. De ma main. T'ennuies ou? Non, bah non. Quand t'ennuies, tu veux dire? Je vois pas ce qui te fait dire ça. C'est le tour de mes raisons. Une action est déjà en cours. Des fois, ça bug. Hein. Je paye. Je récupère du sol. J'espère planter. On verra. Si c'est à moi, non? Mais oui, c'est à toi. Au moins planter une carte. Je la plante où? Planter là. Planter, c'est en vert. Je vais en planter deux.
Oh oui. Je reviens dans la game. La game. Pour faire ton action de plantation. Allez, vas-y, je passe. Ah, mais si on voit les... Ah non, c'est quoi, c'est les points... Oui, c'est les cartes recyclées. Alors, si on voit les points, mais non. Allez, je plante. Désolé. Bon, et pas de soucis, hein. Alors, ça lève qu'elle aille sous les autres arbres. Oui, j'ai réussi à planter un arbre de plus. Oui, caméléon. Normalement, si je fais celle-là... Oui, c'est pas moi qui fais l'action de planter seul. Je vais dire, pourquoi je peux pas planter deux cartes? Non, c'est pas moi qui l'ai fait. Attends, mais qu'est-ce que j'ai fait? Deux habiletés différentes et un flocon génie. Attends. Et 7. Donc, si je mets celle-là... Oh, mais t'as sacrément recyclé aussi, Yarko. Il est bien revenu. Il a 41 dans le compost aussi. Il est bon sur tous les plans. Ça tombe bien. Oui. Oui. Tu plantes pas ta dernière carte? Oui. Je suis revenu aux objectifs. Hein. Ouais. Je viens de piocher la carte qui fait un point de victoire par carte dans le recyclage. Et ouais, moi j'ai pas eu ça comme par hasard. Je joue recyclage. Bien sûr. Alors, est-ce qu'on nous dit tableau plateau? Voilà, t'as fait des points partout aussi, ça y est. Oui, ça y est. Tableau plateau. Plus que moi même, je crois. Plateau. Oh. Bon. J'en sais rien. Un alpha. You can play. Je suis revenu, mais bon, hein, je marque 8 points, là vous en avez marqué 15, donc... Ne rien gagner. Passons. Yeah. Je vous attends. 38, ouais, t'as 38 cartes dans ton recyclage. Non, t'as 41, moi je joue 41 dans ton recyclage. Ah, il a fini. En fait, ce sera pour la toile. C'est la dernière manche. La toile. Ah, mais toi aussi, tu manques plus qu'une carte, hein, au final. Alors, je vais me faire atomiser. Non. 1, 2, 3, 4, 5. Mais j'ai rien dans ma main qui va bien. J'ai pas eu ce que je voulais. Pas spécialement eu des grosses cartes. Hein. On vous a choisi comme action, du coup. La loose. L'action de la loose. Et c'est cul nu. La leçon. Alors moi, j'ai mis quoi comme scoring? J'ai mis 3 par arbuste dans cette rangée. Ça tombe bien, j'ai pas mis que des arbustes. C'est un peu con. Je vais gagner 2 croissances. Hein. On va finir au moins celle-là. 1 et 2. Ah, s'il avait fait plantation, t'aurais pu planter ta dernière carte. On n'a même pas les 7 points. Comment ça? Tu fais des micro-sommeils, non? Non, je réfléchis, tu me parles à côté. Bon, bah, allez, on est où? Pour regarder la phase. On installe un paravent ou comment ça se passe? On en est à phase jaune, je crois. Voilà, je vais avoir de quoi activer en jaune. Passer. Finir. Passer, finir.
J'aurais gagné, bon, ok, j'insiste. Don't win anything. Et là, je vais mettre 3 croissances. Je crois que ça sera complet aussi, 4 points. Fin de la phase. Maintenant, on compte une moto. Non. Si. Fini, là. Corps de Harcon, c'est réglé. Je pense qu'il va gagner. Il est en avance sur l'objectif. Il a fini avant nous. Il est en avance sur le tableau. On a chance qu'on a pas de la partie. Pas d'événements. À moins qu'il ait beaucoup de points négatifs sur ces événements. 37, même 40. Bon, tu l'as vu toi aussi, le 82. 3 comme quoi, j'aime peut-être même fini devant moi. C'est inadmissible. Comment ça se fait? Ah, t'as scoré partout. Qui? Lui? Moi, je n'arrive pas à savoir là, tout ce que c'est, ces symboles, mais la 15-14, mais là 7-14, 18. C'est incroyable. Bravo, Arcom. Ah, c'est celui-là qui nous fait mal, hein. C'est le 82 là. Celui-là, là. Je sais pas ce que c'est du coup, ça. Non, je sais pas trop non plus. Là, c'est les points sur les cartes. Donc, on voit qu'on est équivalent. Les points sur la vague de la mer. un par. Ah. C'est le recyclage. On voit qu'on est équivalent. Les terrains. Ah, je l'ai confondu. Rho et colonne. Un point par cube. Après, il en avait plus. Un point par croissance, c'est ça? Un fois croissance multiplié par les feuilles. Oh, t'as fait 51 quand même. Celui-là, je l'ai pas. Ça, c'est cela là. C'est les deux dernières cartes de. C'est les Alpes et le. Il a fait combien, tu dis? C'est ça là, les. Non, c'est pas ça. Combien? C'est la 82? Là où il a fait 82? 82, je crois. Ça sort d'où? 82. C'est son glacier et sa putrefied land. Et c'est un clou de forêt et le permafrost et la prairie, je pense. 24 ici. C'est toutes les cartes, 30. Je sais pas comment on les appelle. Ah, c'est ici, là. C'est ça, là. C'est la somme de tout ça. Les cartes jaunes, là. Les climats. 54, 64, 68, 75. Ouais, j'ai du mal compter, mais ça doit être ça. 16, 54. 28. 66. 38 et 4, 52. Ouais, 73 et 9. 82, c'est bien ça. C'est les cartes sur le terrain 82. Pourquoi? Toi tu fais 50, mais il y a un truc que j'ai mal calculé chez moi alors, parce que je t'ai. Ah ouais, tu vois, il me dit 14 là-dessus. 14. Mmh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, j'avais compté que 12. 24 chez les autres, ouais, si c'est ça, et 9 points parce que j'ai mis mes 3 arbres, mais tu vois, c'est pas, ouais, je me suis entêté sur les arbres. Non, mais moi j'en ai mis une qui fait 0 parce que j'ai mal lu. C'est 3 par buisson dans cette ligne, et j'ai mis dans les buissons en colonne. Que ça fait, ah, oui. J'ai dispensé des sous pour rien. 0, c'était dans l'autre sens. Ouais, mais tu vois, c'est équivalent, c'est pareil. Ça, c'est pas très rewarding en fait. Parce que 3, bah, ça coûte pas grand chose. 3 pour la ligne, ça te fait 9 points quoi, au max. Alors que t'as fait 30 points avec 2 par truc en réserve là et. Ah, il nous a bien atomisé hein, 24-30 là. Je pense que c'est là où tu fais la plus grosse diff. Hein. Oh, les. Je sais pas, les patounes, c'est quoi les patounes? 82, il t'a mis 30 points là. Bon, 30, tu me diras, il y a encore de la différence, mais. C'est là où il fait l'écart aussi, c'est le scoring. Hein. Il fait 63 au final. Oui, c'est ça aussi, il a été en avance surtout. Il en avance surtout, il les a tous fait. Moi je les ai tous fait, mais j'étais en retard okay. Surtout. Donc. Oh. Bien joué. C'est beau. C'est très beau. Bravo. Mais c'était Earth. T'en rappelais pas du tout? Je me rappelle de loin de la partie, mais. Mais pas plus que ça. Flex. Bon, je vois pas ce que tu veux dire. Tu veux refaire un Great Split? Oui. Est-ce que tu joues du coup Harcon ou est-ce que tu dois t'arrêter là? Oui. Pardon.
Great Split. Je continue. T'as vu t'as vu la partie hier? Ah, tu connais pas. Il y a joué hier. C'est pas le plus simple à expliquer, alors qu'il est simple en fait, mais. Tu vas avoir une main de cartes que tu vas devoir diviser en deux tas. Peu importe la quantité, tu peux. Donc si tu as 6 cartes, tu peux faire 3 et 3, mais tu peux faire 1 et 5, c'est toi qui vois. Et ces deux tas vont être proposés à ton joueur à gauche. Il va choisir un des tas et tu vas récupérer le deuxième qui choisit pas. Et pareil de l'autre côté. Donc du coup, on va te passer une enveloppe, tu vas choisir un des deux tas et tu vas redonner le reste à l'autre. Donc tu vas choisir un tas et tu vas récupérer un des deux tas que toi tu auras fait. Donc ça va constituer une main. Et avec cette main de cartes, tu vas augmenter des jauges, comme dans Planète Unknown. Tu vas augmenter des jauges de gemmes, de livres, etc. De richesses. Tu peux gagner des points de victoire directement. Il y a 6 manches. Et au bout de la troisième manche, il y a un premier décompte. Sur 2 éléments ou un élément. Après la quatrième manche, il y a un autre décompte. Et à la fin de la partie, il y a encore un décompte. Le principe, c'est bon, les petites règles sont cool. Ok. N'hésitera pas à demander si jamais. On attend Mademoiselle Lublinien. Ah, j'ai oublié de regarder le temps de réflexion sur la partie. J'arrive, pardon. Je pourrais lui faire la sieste aujourd'hui, t'es fatigué. Je te vois. Dans ma faute. Fatigue. C'est que... C'est ta faute, je trouve que ça se voit. Ça se voit, mais éteins la caméra. Donc là, tu as des cartes, on en a 5 et tu dois les diviser en 2. Alors, à la quatrième, après la troisième manche, donc il va y avoir un décompte sur le livre violet et sur les gemmes. Donc le livre violet, c'est simple, c'est le score que tu as réussi à atteindre. Tu vois, il y a 1, 3, 6, 8, 9 ou 10 points. Donc là où tu en seras, tu marqueras les points associés. Les gemmes, c'est un peu plus dur parce qu'en fait, tu vas marquer la moins haute des deux pistes. Multiplié par 2. Multiplié par 2. 3 fois 2. T'as écrit ? Gagner des points à deux fois la valeur de votre gemme la moins avancée. Je pensais que le multiplicateur changeait. Par contre, il me semble que tu as déjà une gemme de chaque. Oh, j'ai oublié de regarder mes trucs. Ah oui, on a des petits symboles déjà de base. Ouais. Par contre, tu as une gemme de chaque et une pièce. Une pièce. Et moi, j'ai deux gemmes vertes et un buste. Et après, donc après la manche 4, on scorera sur les bustes. Donc là, le problème du buste, c'est que tu vas scorer par rapport à ta position sur la réglette en bas. Donc tu as marqué 15, 13, 10 ou 6 points en fonction de là où est ton jeton sur la piste. Donc si tu es en dessous du 15, entre guillemets, donc dans la partie du 15, tu gagnes 15 points. Si tu es dans la partie du 13, 13 points, etc. etc. Maintenant, tu choisis un des deux groupes. C'est pas ouf. Et à la fin de la partie, là, les espèces de fanions, tu vas multiplier les cases colorées que tu as réussi à atteindre par le nombre d'étoiles que tu as réussi à monter. C'est tellement pourri. Est-ce que c'est clair? Pas sûr. Hein. En vrai, je suis pas sûr. J'ai bien séparé alors. Faire ça très clair. Ah ouais, ouais, très clair quand même. Pour de vrai. Moi j'aurais pas dit très clair. Ils sont habitués à tes explications. Je joue ça. Ah, pas que je fasse du bruit. Et le séparateur, c'est un joker. Le séparateur, c'est la carte foncée. Quand tu vas la jouer, tu pourras monter sur n'importe quelle piste. Oh, le combo. Combo ? Ah ouais. J'aime bien dans ce jeu. C'est combo-té.
On va faire ça, allez. Allez. Ah oui, l'effet du bonus, le jouet, qu'est-ce qu'on lui fait faire au bonus? Même là, je suis lente, c'est terrible. C'est terrible. En vrai, peut-être moi qui suis trop rapide, hein. Moi j'ai pas... Confirmé. Je n'ai pas réfléchi à 3 heures non plus. Donc là, la limite, elle est à 5, et donc il faut ceux qui ont plus de 5 cartes, il faut défausser une carte. Je vais défausser celle-là. On est avancé de 1. Vous devez diviser le paquito. Rigolo, j'ai pas l'impression qu'hier il y avait ces cartes avec étoile pièce. Il y avait des cartes que étoile ou que pièce. T'as coupé? À 3. Vous devez diviser votre paquet. Oui, je réfléchis. Ah. Réfléchis en même temps. J'analyse de loin. C'est qui reçoit mon paquet? Et ça, j'arrive pas à le voir, moi. Mais si, c'est écrit passant A. Ouais, j'arrive pas à le voir aussi, ça. Là, au-dessus de ton paquet. T'as reçu de moi, et tout avant que tu donnes, c'était passant A, sûrement Arcon. C'est trop dur. C'est trop dur. Ah, deux pièces, c'est beau aussi, deux pièces. Ouais, la piste des pièces permet de... De tout, compenser. Ouais, tous les trois crans, tu peux avancer de 2 sur n'importe quelle piste. Très bien. C'est rigolo, hier, j'ai pas du tout vu ces cartes-là. On va faire ça. Tente un truc, moi. Ah ouais? Tente. Tiramisu. Tiramisu malgache. Et on réussit. Je vais me faire régler Tide. Régler Tide, mais il n'y a pas de buste sur un repas de panda. Je trouve cela calme. Ah ouais, c'est un jeu plus chill. Ah oui. C'est encore un de ces jeux quand même très chacun dans son coin, sauf pour la division du paquet. Tu vas regarder un peu ce qui se passe, mais bon, moi je vous avoue que même pour ça, je regardais. Twitch avait surtout planté. Ah. Ah, moi aussi, j'avais erreur 2000. F5, refresh. Twitch planted. Ça aussi, c'est une nouvelle vidéo offerte, The Great Split. Allez, je tente. On va me faire rêver, Tid. Et là. Attendons, c'était moi qu'on attendait. Vous devez défausser une de vos cartes. Désolé, hein. Défausser celle-là. Après ce décompte là, enfin, après cette manche là, il y aura le décompte en tome violet et en gemme. Vous devez diviser les cartes. Hein. C'est bien sûr. Of course. Of course, Bran. Oui, c'est écrit passant A. Hein. Oh, c'est les cartes à Arcon. Ouais, ouais.
J'ai du mal à être stratégique sur cette phase-là, en fait. Pareil. Et je trouve ça dur de savoir. Tu vas voir ce que je vais te donner, tu vas voir. Je sais pas ce que tu as choisi comme strat depuis le début. Je vais prendre ça, tant pis. Je prends les fanions. I take the fanions. Ça me va. Moi ça me va bien, hein. Ça part sur ça. On le joue, bien évidemment, ça on le joue. Pas encore là-dessus. Là c'est pareil, on va partir sur... Réglétide là non, il y a on est un, pas du tout. Là non, il y aura pas de il y aura pas de réglétide, non. Confirmé. Allez, confirmé aussi. Ouh là là. Ouh là là. Heureusement qu'il y a pas de réglette, hein. C'était 0 points. Moi, j'ai fait l'impasse sur les diamants. Moi, j'ai fait l'impasse sur beaucoup de choses aussi. Et t'as quand même fait l'impasse sur les diamants et t'as quand même fait 18 points. Oui, parce que j'ai 10 points, j'ai 10 points de livre. Puis t'as pris les étoiles. Moi j'ai pris 0 étoiles. Bah, c'est étoile pièce, donc comme je voulais avancer sur pièce, je fais une strat pièce, mais au bout d'un moment ça a ses limites puisque tu n'avances plus. Il y a des gens qui défaussent les cartes. C'est fait. Waouh. Voyons voir. Les passes à Arco encore. Mince. Est-ce qu'il va me revenir? Alors, je sais pas quoi choisir. Et donne Arme quoi. Oh, Lord. Ouais, t'as vu mon tirage, j'ai pourri. Prends ça quand même. Et c'est ça qui m'est revenu, ok. Bon, let's go sur ça. Je suis cette... Tu lui as expliqué la réglette ou pas? Arco. Ah, j'ai expliqué de loin, tu vois. J'entends dire chez lui, comment ça la réglette? C'est quoi la réglette? Tu peux m'expliquer la réglette Arminez-vous avec vos réglettes. Et ici. Oui, c'est buste là qu'on... 1, 2, 3, 4... sécure avec le buste. Confirmé. Sûr d'aller chercher les 15 points. La réglette, c'est le petit marqueur glissant en bas, en fait. Ah, voilà. Donc là, on va scorer sur les ton niveau de... Enfin, pas ton niveau de buste. Tu vas scorer les points par rapport à la position de ton marqueur par rapport à cette réglette. Donc si t'es côté 0, tu prends 0 points. Si t'es dans les 3 cases du 6, tu prends 6 points. Si t'es sur la case du 10, tu prends 10 points. Les 3 cases du 13, 13 points, et tout le reste de l'autre côté, 15 points. Il faut essayer de placer ton marqueur, sachant que la réglette avance d'un nombre de cases égal aléatoirement entre 0 et 4. Alors le 4 est passé. 0 et 6, 4, non? Non, pas 6. 0 et 4, je crois. Ah ouais? Là, à mon avis, il reste 0 ou 3, tu vois. Salut les splitters. Salut Serval. Coucou. Il me semble qu'on jouait aussi déjà à The Great Split hier quand tu es arrivé. Original. On a fait un Earth assez long. Du coup, là, on se détend un peu sur du Great Fleet. Hop. On avait envie de le retester. On peut jouer ça. On a bien aimé quand même. C'est ça. Ouais, voilà, c'est ce qui me semblait. Je joue ça. Content de ma partie. Bah, tant mieux.
De Hearth, tu veux dire, ou de Great Split? Pour l'instant, c'est équilibré. Allez, confirmé. Allez, de Hearth, tu me donnes 326 points. Là. Ouh, je suis à 13. Ah, je suis à 15. Prends les 15 points là sur ce coup-ci. 6, 13, 15. Là, je refais mon retard un peu. Yes. Vous devez défausser une de vos cartes. Allez, les amis, je crois que je vais défausser celle-là. 3 de 9, du coup, Serval, ta journée s'est bien passée? C'est quoi là? C'est 15h, c'est quoi? C'est la pause café? La fin de la journée? Les gens sont au travail, toi, aujourd'hui. Je veux pas, je pose des questions. C'est pas évident, hein, le jeu. Vous devez diviser le paquet. Et je donne à Armiquan. Et je donne à. Oh. J'arrête pas depuis ce matin, pas eu de pause déjeuner, c'est le bazar. Ah. Mince. Toi un petit snack. Sandwich, rillette. Rillette cornichon. Pâté ananas. Oh. Oh. Pâté ananas, beurre de cacahuète. Mmh, allez, tiens. Nutella sardine. Oh. Ça, il paraît que c'est le top. Nutella sardine, c'est. C'est au top. Oh, bon, moi, mais je c'est ça. Quoi vos offres là? Ça. T'as pris celle qui en avait le plus, voilà. Ouais, mais moi, je score sur les gemmes vertes. Évidemment. Ah, oui. Finalement, j'ai plus faim. Ouais, c'est ça. Ah, le choix, Arkong, que tu m'as donné. Damn. Mmh. Un petit sandwich sardine Nutella. Ok. Alors j'arrête, j'ai pas envie de vomir moi-même. J'aime pas les sardines. Après je pourrais plus manger de Nutella, ça comme ça. Déjà qu'on en mange pas. Déjà faut en acheter pour en manger. Bah oui, c'est ça. Bon, ben là on va prendre des gemmes. Hein. Bam. En première, mais. Voilà, on se met bien ici. Ensuite, on attaque. Je pense. Là. Et ici, qu'est-ce qu'on y fait? On va pousser comme ça. Pas le choix, donc. Là-dessus. La souffrance, hein. C'est vrai? Vous me faites réfléchir cet après-midi, c'est un truc de fou. Hein. J'avoue, hein, t'as l'air... En PLS. Ou pas? Confirmé. Bien le bonjour ici. Salut, va bien. Comment? Salut, va bien. Comment ça va bien? Va bien. C'est cadeau. Parce que là où tu voulais qu'on mette les applauses, c'est ça? Ouais, voilà, c'est pour ça. Des moments comme ça. Les moments pour pas que tu te sentes seul. Je me sens pas seul, t'as rigolé. C'est validé. Ça compte pas. Non, ça compte pas. Vous devez choisir les effets. Ah oui, la carte bonus. Et qui est-ce qu'on attend? Le pli. Le pli. Tortuglinien. Je vais mettre... Tu sais qui me fait penser? Il y avait un animal comme ça dans un des dessins animés qu'on a regardé. Je me demande si c'est pas dans Zootopie. Moi? Je te à la poste, ça. Il y a l'espèce de paresseux. Ils viennent, ils sont pressés. Et tu sais, le mec, il parle plein de comme ça. Bonjour. C'est rigolo. Et moi, je te fais penser à ça? Oui, ça va, même si tu m'as éjecté tellement prof du tournoi. J'aurais eu beau stream hack, ça n'a pas suffi. Mince. C'est vrai? Oh là là. On est tombé ensemble, mais t'as pas le même pseudo alors du coup sur. Sur BGA. Sur BGA. J'ai pas fait attention. Mais après, j'avoue que Sawari, c'est la guerre. Hein. Confirmé. Les, ah parties, ouais. Les parties de Sawari, c'est la guerre. Si, avec un i en moins, j'ai pas fait attention, je t'avouerai. Le problème, comme je disais, c'est que moi, le tour par tour, ça me réussit pas trop. Vraiment un peu de. Tu sais, je me connecte, je fais mon tour et j'ai pas trop regardé le nom des pseudos. Et moi, mes deux premiers tours, les parties ont été fermées parce que j'étais contre des gens qui ne jouaient pas. Et elles ont été fermées. Et du coup, j'ai été étonnamment première parce que je suis la personne à qui est restée le plus de temps. Alors qu'on est tout le temps en train de m'attendre. C'est quand même fou. Alors,
Mais ça, c'est pas mal. Hein. Ça, même pour faire la même version. C'est sûr d'avoir un, moyen, un truc moyen quand même. Oh, Firmed. C'est déjà la dernière manche ouais. Ah ouais. Mais ah, il va trop vite ce jeu en vrai. Il marche très très bien ce jeu. Ouais, c'est pas c'est passer pas le début de comprendre comment il fonctionne. Oulala. Oh ouais, les choses sont dures là. C'est qui m'a envoyé ça? Arcon a commencé à avoir compris le jeu. Enfin, je vais prendre ça, mais c'est dur. Hein. Bon, mais désolé, du coup, va bien. Sorry. Donc j'avais oublié un paramètre, je me suis dit, je vais pas faire ça, c'est trop crade, mais j'aurais pas dû. Enfin, bon courage pour la suite du tournoi, merci, merci. Mais non, ça bloque vite et tout, hein. C'est dur. Hein. C'est dur, c'est dur. Allez, je joue mes bustes, pas me faire régler Tide. T'avais participé que sur un, t'avais pas participé sur les deux tournois? Oui, mais max livre. Les deux livres, ça me prend. Et ça, c'est quoi les deux ça? J'ai pas compris ce que c'était. Ah, je choisis. Je choisis ce que j'avance. Eh bien, écoute, on va avancer la dernière ici. Avancer là. Et là, soit j'avance en bleu. 12. La carte bonus, j'en fais quoi? Mais j'irai pas jusqu'au bout. Et non, mais je vais aller chercher le dernier multiplicateur de buste, je pense. Un buste au cas où. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Confirmé où. Ah, par contre, c'est quoi mon. J'ai oublié de m'inscrire sur le deuxième, du coup, je retourne à mon jeu principal. Ah, c'est lequel hein. Ouais. C'est quoi ton jeu principal? Moi, je me suis inscrite là au tournoi de. C'est quoi? Je vois le jeu. Get on board. Non. Faraway. Faraway, voilà. Je me suis inscrit. Drone versus Goéland. Eh, je crois qu'on n'y a jamais joué. Non, je crois pas, non. C'est vrai qu'on le teste. Oh, j'ai pas. Et 5 points d'écart, c'est pas énorme. Hein. Ça, je pensais vraiment. Inadmissible. Plus que ça. Bon, l'impasse sur les joyaux, ça, c'est quand même rude. Hein. 5 points d'écart, je suis pas sûr. Non, c'était quand même bonne strat, ça, c'est pas joué à grand chose. Hein. Non, mais j'avais pas d'autres moyens beaucoup de faire d'autres points. J'ai fait max points sur les livres et les pièces. Mais j'ai tout optimisé par rapport à mon perso et ben c'était aussi, dur. Hein. Mais. Ah, il est vraiment bien ce jeu. Ah, attends. Celui-là, s'il était à Culture 1, là, pour le coup. c'est ça. Donc, première partie, on avait gagné un 120 et là, on a déjà augmenté nos scores. Hein. Dams nous a gagné à 130 hier. Hein. Oh, temps de réflexion. Oh, Aircon, il a été plus rapide que moi. 9 minutes. Ah, c'est qui qu'on attend? Ouais, Lubli, 17 minutes. Terrible. Hein. Drone versus Goéland. Ah, je suis curieuse de voir. Je vois la vignette, mais. Ouais, ouais. Ah, si c'est ça. On n'y a jamais joué. C'est un jeu à 2, 14 minutes. Un jeu à découvrir, du coup, pour la prochaine fois. Pense avoir bien joué pour une première partie. Si, c'est pas mal. La première partie, on a fait 120 points, t'avais fait 111. Ça va, c'est correct. Hein. C'est clairement correct. Moi, ça joue pas de mon côté. Moi, ça joue, mais je sais pas quoi jouer, alors. On va voir juste ça. Ah. Temps de réflexion de la partie de Earth, quoi. Le duel avec Gaël Lyon sur, sur le tournoi de Get On Board. Ça a commencé. Mmh. Yeah. Il va gagner entre Lubli et Gaël Lyon. 33 minutes sur heure, c'était à 1h. Non, mais t'as fait l'explication sur mon temps. Non. L'explication sur une partie qu'on a abandonnée. Ça, mon vaisseau. Pour un différentiel de points de 11 points, quoi. Faut que j'arrête de réfléchir. Donc deux fois plus de temps pour 11 points d'écart. Bon. Autant, tu vois, quoi, je peux comprendre. 326. Non, et puis t'es sympa avec lui. Tu le connais pas trop encore. Ça, je suis sympa avec lui. Bon, allez, tu vas sur Earth. Plus qu'avec moi. T'as pas trop le choix. Alors. Pas trop le choix. Je commence en 4. Voilà. Un petit Balbara. Il y a des gens qui veulent jouer. Tu peux clasher. Il y a des gens qui veulent jouer à Balbara. J'aime bien Balbara aussi. Oui.
Il y a d'autres gens. Bon. Je jouerai bien, mais bon, si j'ai un client qui rentre, je suis foutu. Ah, ouais, non. Attention avec le boulot. Faites pas comme moi. Jouez pas au travail. Faites pas comme nous maintenant, d'ailleurs. Entêté. Mais du coup, je sais pas s'il va bien, t'as vu passer l'info, mais jeudi soir, on fait une émission spéciale avec les auteurs de AOC. Yes. Donc, Edge of Champagne. Petite interview est partie... Avec les auteurs. Avec les auteurs. Et non, dans ma boutique à moi de jeux de société. Ah, oh, c'est cool ça. Tu tiens une boutique? Tu étais dans quel coin? Je remets le point d'exclamation concours si jamais vous l'avez pas fait. Pour gagner un exemplaire de Welcome Your Perfect Home, édition collector. Oui. Je regarderai, j'aime beaucoup, il est en présentation sur un meuble devant moi. Il n'y a pas grand chose à faire, pour juste suivre le compte Instagram, liker la publication et inviter deux amis. Sud Drôme. Ok. Et c'est quoi le nom de ta boutique? Vas-y, fais de la pub. Donne le nom de ta boutique. Il y a peu de chances qu'on aille dans la Drôme, mais... Voilà. Nous, on cherche des partenaires en termes de boutique de jeux. Je vous dis, on a contacté par chez nous, mais ils ne sont pas très réceptifs. Non, pour le moment. Enfin, pour le moment pas de retour. J'ai pas d'amis. Ah, pour taguer, mais tague-moi à moi, on s'en fout. Tu peux taguer Eddie, tu peux taguer Eddie qui est souvent sur la chaîne et qui, je pense, a participé aussi. Je suis pas sur la bonne fenêtre. Je refais F5, je sais pas s'il a accepté ou pas. Non, il a pas accepté la partie de Valbarin. Ah, mais il y a un tour par tour, quel gros naze. Je sais pas si tu la vois, Arcon. Du coup, j'ai pas fait gaffe, j'ai lancé un tour par tour. Tu veux que je quitte? L'air joueur. Mon site n'est pas à jour, mais bon, j'existe quand même. Ben, mais c'est cool. L'air joueur, si jamais. Non, je vais voir. T'as un compte Instagram? Ouais, pardon. N'importe quoi. Non, celui-là, je vois. On joue ça. Qui sommes-nous? Je lis pas très bien, vous inquiétez pas. Quand tu peux faire voir le jeu et jouer. Ça va. Ah, c'est à moi déjà. J'en sais rien, j'aime réussir à faire des publications Facebook, Instagram liées, mais je vise bien le local. Tu arrives à t'en sortir, tant mieux. Enfin, je sais pas comment ça marche, mais... Moi, je suis toujours admiratif des boutiques, parce que j'ai l'impression que c'est très dur aujourd'hui d'arriver à tenir une boutique et d'arriver à en vivre, quoi. Je pense que c'est quelque chose qui m'aurait plu, aussi, de tenir une boutique et tout ça, mais je pense que c'est très très dur. Salut, Mage Givre, comment ça va? Salut. Mage Givre, c'est Rumble, ça, non? Gagner deux par chacun de vos voisins. C'est la commu Rumble. Rumble. Bah c'est bien, vous avez joué Imper tous les deux, j'ai joué Oracle. Bah oui, oui. Ah, il a sorti sa combattante direct, par contre. On l'a pas, désolé. On s'en fiche, c'est pour nous, pour gagner des points. J'ai ouvert il y a un an et ça va, pas spécialement de concurrence dans le coin, et je fais en même temps du jouet en bois, ça tourne pas mal. Ouais, le jouet en bois, c'est bien. Mais bon, c'est plus cher, c'est qualitatif, quoi. C'est... Et tu les loues, j'ai vu sur ton site. Et ça, c'est très très bien. Mais c'est pas évident, les conditions de commande peuvent être mortelles. Quel est ce jeu étrange? Ce jeu étrange, c'est Valbara. C'est un jeu dans lequel on doit récupérer des cartes ici, paysage, on va dire, entre guillemets, pour marquer des points de victoire. Et pour ce faire, on a des cartes dans notre main, qui représentent notre tribu, qui vont de 1 à 12. Le plus petit chiffre a l'occasion de choisir en premier. Et après, sinon, chaque carte a des petits effets. Donc, il faut connaître les 12 cartes et connaître les différents terrains pour faire le plus de points au cours des 9 manches. Donc, c'est assez rapide. Donc là, tu vois, typiquement, j'ai joué une carte 9 qui me fait jouer en dernier, mais je peux échanger un territoire de la première ligne avec la seconde ligne. Donc, je vais récupérer la rivière là-haut pour la mettre en bas, et comme ça, je vais récupérer 6 points. Parce que la rivière, c'est la valeur d'initiative de la carte multipliée par le nombre d'icônes rivière. Est-ce que ça vous étonne? J'aime la rivière. Aïe, aïe, aïe. C'est Valbara. Il y a une explication sur la chaîne, si jamais. Point d'exclamation YouTube. Vous cherchez Valbara et il y a un focus dessus de 10 minutes qui vous explique comment y jouer rapidement. Et ça, c'est top. Vous devez jouer une carte. Ah, mince. Ah, même moi, j'ai joué, dis donc. Dis donc. Je vais jouer ça.
Oui, je fais de la location de jeux géants en bois dans les mariages, séminaires, festivals, fêtes de village. Et en vrai, je vis de ma passion, même si je suis pas riche, c'est la vie. Et c'est, ça, c'est trop très bien. Archon, je t'offre gentiment 2 points de victoire. Sache me le rendre plus tard. Oui, Mage des Chiffres, c'est accessible en ligne. Mais c'est gratuit. Alors, est-ce que celui-là, il est gratuit? Je sais pas. Je crois que oui. Mais voilà, je t'ai mis le lien. BGA, Board Game Arena. Je vais faire F11 pour qu'on voit bien que c'est un site internet. Ici, Board Game Arena. Je referai un petit truc après. Je te montrerai. C'est un site internet. Tu te crées un compte et tu as accès à 700 jeux de société. Mm. Alors, il y en a une partie qui sont réservées à un abonnement payant. Mais l'abonnement, en vrai, c'est 3,50€ par mois, je crois. C'est 3 même. Même 3€ si tu payes toute l'année d'un coup. Ouais, je sais. Donc, même à 3,50€, ça fait 35€. C'est même pas le prix d'un jeu, si on réfléchit bien. Donc, c'est quand même Board Game Arena, c'est quand même balèze. Vous devez prendre une carte terrain. Ah, j'avais dans l'espoir d'aller choper la montagne. Mais non. Et après la montagne, oui, ben, c'est pas montagne. Grave. On va prendre le village. Écoute. Et pareil, sur la chaîne, tu as une explication de comment marche BGA. Qu'est-ce que c'est BGA et tout ça. Mais voilà, si tu as des questions, n'hésite pas. À la base, on a fait ce live pour ça. Enfin, les lives BGA, c'est pour expliquer aux gens comment ça marche. Allô. C'est rude, là. Bah oui, c'est rude. Où est-ce que je vais jouer ça? Oh non! Putain, comme par hasard, t'as joué ça à ce moment-là et en plus, l'ordre de la piste est avec toi. Même, c'est dégueulasse. Putain, je gagne pas de zub. Oh. Ah, je suis contente. Mais abusé la chance, quoi. Ouais, mais bon, tu vois, je gagne que. Bah ouais, que 4 je gagne points. 4, mais. 4 et 5, 9 points t'as fait sur ce rôle-là, quoi. Oh là là, inadmissible, hein. Bah, c'est pas cool, ouais, non, mais attends. Merci, je jetterai un oeil d'abord, je monte en PVP sur Rumble en vous écoutant. Eh bien écoute, ah, fais-toi cool. Plaisir, t'as bien raison. Ah, j'ai un nouveau implantage de Twitch. J'espère que... Twitch est fatigué, faites des F5 si jamais. Ouais, pas pourquoi. Ben je sais pas, il fait froid, c'est l'hiver. Ouh, la tristesse. Hein. On a quelle manche, 4 sur 9. La pression là. Le froid sur les fils. Vous avez joué tous les deux impair, hein. Je vais gagner 4. Hein. Vous nous remerciez. Hein. Première avec seconde ligne, c'est toi ça? Oui chef. Ah, pour être sûr d'avoir la montagne. Et oui. Bah oui, c'est pas bête ça. C'est bien. C'est malin. Hein. Bah oui, surtout tu vas jouer ta combattante derrière pour avoir la troisième. Et bah oui, ma combattante. Et tu n'as pas. Verra. C'est bullshit ce jeu, tellement. Ah, je tente, je suis quoi? Je suis première d'abord du tout. Oh non, c'est pas beau. 1, 2, 3. Et ça fait 1, 2, 3. J'ai pas trop m'attendre, tant pis premier pour toi. Jour, hein. Hop là, je prends la montagne. Bon, 0 point, ça c'est pas beau. Hein. Ah, c'est pas beau hein, ça. Hein. Ah ouh. J'avais joué chasseur, si vous jouez avant vos voisins, vous gagnez 3. Autant dire que le chasseur est à la rue. C'est un chasseur. Un chasseur sachant pas chasser. Chasseur myope, quoi. C'est RP. Les lignes, cela me fait penser au Gwent. Ah oui, ligne de front, ligne de machin. Non, là, c'est juste que tu vois les cartes que tu vas récupérer à ce tour-ci et tu vois celles que tu vas récupérer au tour d'après. Et il y a des cartes qui permettent d'échanger les deux lignes, donc. De faire des trucs. Je vais jouer ça, moi. Eh, moi, je veux combattant, moi. Ouah, double sage-femme. Bien ça évidemment, récupère. C'est moi qui choisis en premier. Qu'est-ce que tu récupères, hein? Je vais récupérer ça. Je sais pas si t'as le droit de le savoir. Bah, bien sûr que si. Non, en sans plus. Regarder mon stream. Vraiment, tu as deux doigts tout cassés quand même. Effectivement, rien à voir avec le Gwent. Ouais. Moi, ça me fait penser à Oriflamme dans la mécanique, étrangement. Ah ouais? Si, c'est écrit, tu vois. Ça Armée fait longtemps Quan. Qu'on n'a pas joué Oriflamme. Ouais. Armée Quan remet cavalière dans sa main. Archon remet chasseur. Oui, je sais dans ce jeu.
Le design est un peu spartiate, quoique les cartes sont pas mal. Pardon. Moi j'aime bien. En fait, ce que j'aime bien, c'est que le jeu il propose une vraie expérience de jeu dans une petite boîte. Il fait partie des trois jeux qu'on aime beaucoup en ce moment, c'est-à-dire Elawa de chez Bombix, Valbara et Knarr. On a là à la maison en ce moment parce que l'assaut l'a récupéré. Et que je trouve assez excellent. Du coup, tu vas te faire une forêt de foufou, toi. Tu vas faire des points. Ou un village de foufou, c'est pareil. Ouais, dans les deux cas, t'es bien. Vas-y, ton poison. Oh, ça m'arrange encore mieux. Et bien, tant mieux. Très bien. 20 points. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Alors, les prairies permettent de scorer sur les prairies du joueur de droite et de gauche et des nôtres. Donc des fois, ça peut être intéressant parce qu'Arcon, par exemple, il y a 3 prairies. Allez, qu'est-ce que vous avez joué comme carte? Et ouais, le chasseur, il est allé le chercher tout à l'heure. Bah oui. Et là, ouais, Valbara et Knarr, ils commencent à être à court d'idées pour les noms de jeu. Ils tirent lettre au pif. Ah, je pense que c'est des vrais noms dans leur truc, en fait. Ah, si, parce que Knarr, justement, on a des enfants. La petite nous a demandé d'où venait le nom du jeu. Ça veut dire... expliqué au début du jeu. C'est le nom d'un bateau viking, le Knarr. Un bateau spécifique pour transporter des marchandises. Ça a quand même une signification, ouais. Allez, je tente ça. Pas convaincu. Hein. Dans le jeu, de toute façon, tout est visible. On voit aussi les personnages que les autres ont joué, donc on peut à peu près savoir qui peut se placer où. Ah oui. Non. C'est pas beau, l'ordre du tour défavorable. Ah, ça dépend s'il prend la montagne ou pas, mais je pense pas. Hein. Je pense qu'il va prendre... Je la veux pas, la montagne. Il y en a pas. Bah si, il y en a 4. Ah ouais, ouais, super. À la montagne. Est-ce que j'ai vraiment le choix? C'est déjà la 9e manche. Ah, ouais, voilà. Je pensais qu'on... Oh, elle a gagné quand même, elle se plaint de 3... Non, ah, pas de 3 points, oh là là, de la grosse pilade, pardon. Alors c'était bien cette partie, on va passer à autre chose. Et pourquoi t'as fait 75 points, allô? Bah, c'est le... D'où tu nous as pilé autant? J'ai fait 2 ou 3 tours à 10 points, donc... Ça va mieux que dans RCR. 6, 11, 39. Bon, mais quand même... Putain, on a fait 46 trois jeux, sur les territoires. Chaque... Ouais, ouais, c'est bien. Laissez-moi gagner une fois quand même. 29 sur toutes les cartes. J'arrive pas trop à savoir, mais bon, bien joué. 75, c'est un joli score quand même. Tu vois, on en a fait 58, 55, on est à peu près dans les mêmes eaux. On nous a mis 20 points dans la vue. Alors que j'ai quand même récupéré mes rivières. Et j'en ai eu que 2. Je suis allé chercher les montagnes. Je l'ai peut-être payé cher, ces montagnes. C'est ce qu'on disait la dernière fois. Il n'y a pas de statistiques sur BGA pour dire le score moyen, non? Bon, montre-moi le résultat de la partie. Score moyen. En fait, il faut faire... 62. Non, mais il y a un truc. Là, si, c'est écrit juste au-dessus de ton tableau. Statistique. Non, mais là, c'est score moyen à cette partie-là. Ah, d'accord. Je pense. Mais je crois qu'on peut... Il y a des trucs qu'on peut voir sur ce jeu. Ah ouais. Ça va être que moi, je pense. Ah, de moyenne de tous les joueurs. Score, non, c'est pas score. Je sais pas. Temps de réflexion. Ah, je sais plus. Il semble qu'on pouvait voir à une époque quand même le score qu'on faisait par rapport à chaque élément. Les moyens d'analyser des trucs, mais bon, un peu complexe. Du coup, le score moyen de la partie de Hearth, ça... Ah ben le mien, il est bas, le tien, il est double. Hop. La partie est terminée. Oui. Ok, ok. Très bien. Parfait. Bon, c'est pas qu'on s'ennuie. Oui. Mais bon, c'est 3h30. Il est déjà l'heure de se quitter. Oui. Voilà. Ben merci, comme d'hab, d'avoir été avec nous. Merci Arcon d'avoir partagé cet après-midi avec nous. Oui. C'est pour ces jeux, pour ce joli Hearth où il nous a mis la PC. Ça fait plaisir. Ça paraît pas, mais ça m'a fait plaisir d'y rejouer. J'ai envie d'y rejouer pour...
pour m'améliorer, parce qu'il y a du boulot, mais franchement, ça m'a plu. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Hop, je peux remettre comme ça. Oh, on voit en grand, c'est beau, waouh. On se retrouve demain matin. On fera une petite session de Diablo 4, je pense, demain matin. Peut-être pas une très très longue. Ouais, mais ça fait peur, hein, grand. Attention, hein. On peut faire plus grande quand même. Non. Attention. C'est bon. Si, on en préparera une spéciale encore mieux. Venez travailler. Voilà, donc n'oubliez pas le concours. N'oubliez pas jeudi soir de réserver un peu votre soirée pour venir faire un coucou aux auteurs d'AOC. La semaine prochaine, on fera avec un autre auteur. Teasing. On vous en dira un peu plus dès qu'on sera bien posé. Je pense que c'est bon, mais... Mercredi prochain, il y en aura un autre, normalement. Voilà. Ouais. Et puis voilà. Allez, on vous fait des bisous. On vous souhaite une bonne fin de journée. Hop, là, je remets la scène de fin de stream. Et puis voilà. À demain. Ciao, ciao. Allez, ciao. Merci d'être passé.